élevée. Venez voir, il va faire des prodiges incomparables. Venez voir, il va se révéler. Venez voir, il opère des prodiges incomparables. Venez voir, notre Dieu s'élever. Venez voir, il va faire des prodiges incomparables. Venez voir, il va se révéler. Venez voir, il opère des prodiges incomparables. Le Dieu d'Israël ne change pas. Oh. Le Dieu d'Israël ne change pas. Oh. Le Dieu d'Israël ne change pas. Le Dieu d'Israël ne change pas. Oh, non. Le Dieu d'Israël ne change pas. Le Dieu d'Israël ne change pas. Le Dieu d'Israël ne change pas. Oh, non. Le Dieu d'Israël ne change pas. Où s'appelle Yahweh? Où s'appelle Yahweh? Oh, Yahweh. Où s'appelle Yahweh? Bienvenue, nous sommes à Jireh 2021, session 2. Nous sommes le couple Baïdan, je suis Michel. Je suis Jocelyne Baïdan. Nous sommes très honorés de vous voir ce soir encore. Ça va être turbulent. Dis à quelqu'un, ça va être turbulent. Acclame Jésus, ça va être turbulent. Amen. Bonsoir aux internautes. Acclamons Jésus également pour les internautes, s'il vous plaît. Est-ce que la rangée de gauche peut me dire deux? Est-ce que la rangée de droite peut me dire deux? Deux. Nous sommes au deuxième jour de Jireh 2021. Acclamons le Seigneur pour cela. Parce que deux valent mieux qu'un. Associez mes fait monter des clameurs plus fort à l'endroit de Jésus. Nous voulons confier ces temps au Saint-Esprit. Pour cela, nous invitons
le pasteur Martin Abano sur cette estrade avec vos acclamations, s'il vous plaît. Seigneur Père éternel, je te prie, ô Dieu, pour cette soirée que nous allons passer. Nous croyons que ta parole, Seigneur, va descendre et que cette parole changera notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je t'invite en ce lieu, Saint-Esprit. Change cette atmosphère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'on voie ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Et faire des danses à la gloire de l'Éternel. Oui, tu peux dire Yahweh. Yeah.
digne de recevoir les acclamations. Il est digne de recevoir la louange. Hey! Tu as changé l'enfant, ouvert les yeux par ta main. Il est comme toi. Revenons à la vie, il est comme toi, comme toi. Yeah, yeah. Tu es le plus grand, tu es le plus fort, que tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Pour ce cri de joie, la gloire de l'Éternel. Alléluia. Hey, tu as changé l'enfant. Tu as changé l'enfant. Ouvert les yeux par ta main. Ouvert les yeux par ta main. Ah!
manifeste, manifeste ta gloire, agirai. C'est agirai que nous sommes. Manifeste, manifeste ta gloire, agirai. Agirai. Oh, c'est pour toi que nous sommes là. Manifeste, manifeste, manifeste ta gloire, agirai. Oh oui, manifeste ta gloire. Nos vies seront changées, nos cœurs seront changés. Ce soir, nous croyons que lorsque tu es là, il y a des choses qui se passent. Nous croyons à ta grandeur, nous croyons à ta magnificence, Seigneur. Tu es Dieu d'éternité en éternité, tu es Dieu au-dessus de tout, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être proclamé roi, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Chandere mandere katamere brese. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur, oh, oh, oh. Tu es Dieu qui peut s'égaler à sur toi, la terre, dans les cieux, sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh oui, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu.
Adonai, Dieu saint, toi fois saint, Adonai, Adonai, chemin de l'écran, de l'éclat, de l'éclat, toute la terre se prosterne devant toi. Les 24 vieillards et les anges proclament que tu es saint. Ta sainteté n'a pas de fin, ta sainteté n'a pas de limite. Adonai, 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 toi qui es le Dieu. Au travers de nos chants, avec nos acclamations. Et nous voulons rester dans cette atmosphère d'adoration, d'adorer Dieu avec notre argent. Alléluia. Amen. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler d'un homme, Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille et la plus pauvre en la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. » et que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusque tu reviennes. Alléluia. Quand je lis cette portion de texte, je me dis que Gédéon était à Jiré. Quand je lis ce texte-là, je me dis, tiens, Gédéon est venu à Jiré. Le thème, c'est « Déploie tes ailes ». Quand je vois l'histoire de Gédéon, et le pasteur Ndala nous a expliqué ça hier, un message puissant
Que Dieu bénisse son serviteur. Gédéon qui battait le froment et qui se retrouve chef d'une armée. Un homme qui était dans l'anonymat, qui se retrouve à commander, à être chef d'une armée. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu n'es plus dans l'anonymat. Que Dieu te mette sur les hauteurs. Ma Bible me dit, l'histoire de Gédéon me dit que Dieu a parlé. Il dit à Gédéon, je serai avec toi. Au moment que Dieu a parlé, Gédéon a commencé à déployer ses ailes. À la suite de cette histoire, voici que Gédéon déclare, Seigneur, je veux un signe. Reste ici afin que j'apporte mon offrande. Gédéon était dans une phase d'adoration, mais en même temps, il a scellé la parole que Dieu a déclarée. Et le reste de l'histoire que nous connaissons, c'est que Gédéon a battu cette armée Madian avec seulement 300 hommes. Je crois qu'au travers de l'offrande, il y a des choses extraordinaires qui se passent. L'offrande est mystique. Et je crois que ce soir, l'Esprit de Dieu va toucher quelqu'un. Je te demande de préparer ton offrande, une bonne offrande. Si tu le peux, je te demande de te lever par respect pour notre Dieu et de prendre ton offrande dans la main droite. Ô Seigneur Père éternel, je dis que nous sommes à Jiré et que le thème c'est déploie tes ailes. Pendant que c'est le moment de l'offrande, je vois des ailes se déployer. Parce que le ciel est ouvert ce soir, je vois une grâce descendre sur tes enfants. Je dis pendant que le ciel est ouvert, je vois des grâces et des bénédictions. Je vois des guérisons, je vois des vies changées. Je te donne la gloire, Père éternel, et toutes dans le nom puissant de Jésus. Les personnes qui sont rassemblées en ton nom, en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Vous pouvez apporter vos offrandes avec joie, avec la joie, avec un mouvement de danse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde dit oh 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 oh. Jésus. Oh oui, fais briller ta gloire, resplendis Jésus. Oh oui, fais briller ta gloire sur nous, resplendis Jésus. Tout le monde dit oh. Oh!
Bonsoir, mesdames et messieurs, activez votre... Bonsoir, mesdames et messieurs, activez votre GPS pour continuer de gravir la montagne Jirée. Calcul de l'itinéraire en cours, où ce soir à 19h30, continue tout droit vers la rue de la Montagne Jirée et au rond-point, prendre la troisième sortie à droite sur rue de la Plénière. Temps estimé dans les embouteillages, 2 heures au cours desquelles vous serez submergé de bénédictions. Vous prendrez la bretelle à gauche sur avenue du Feu de l'Esprit pour sortir des troubles, des assauts sataniques prévus contre votre vie. Attention, véhicule de délivrance et de restauration arrêté sur le bas-côté sur votre trajet. Demain 10h, prenez la troisième sortie et dévalez sur l'autoroute Action de Grâce à 200 mètres. Franchissez le péage de la louange et de l'adoration pour rendre à Yahweh Jireh la gloire qui lui revient. Attention, accident signalé sur votre trajet. Nous enregistrerons des victimes de la grâce, des blessés de blessing, miracles, prodiges, trafic perturbé. Puis, vous serez arrivé à destination. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons savourer cette prouesse artistique avec ce chant spécial de Jireh de Pasteur Charlie, s'il vous plaît. Tu as énoncé la vision, tu as montré la direction. Aujourd'hui, à ta rencontre, nous venons afin de te voir, toi le Dieu de notre foi, qui s'est révélé en disant, va et je pourvoirai. Lieu de merveille, je veux.
J'entends ton appel, ô Père éternel. Je déploie mes ailes, Yahweh. J'entends ton appel, ô Père éternel. Je déploie tes ailes, Yahweh, Yahweh. J'entends ton appel, ô Père éternel. Je déploie. Est-ce qu'il y a des providers décidés à prendre leur envol maintenant? Parle un moment alors que tu parcours cette montagne. Parle, parle, augmente ta foi. C'est le moment de voir le Dieu de ta foi. Il se présente à toi tel qu'il est. Parle encore un peu. Parle encore un peu. Je gravis la montagne et je monte à la rencontre de mon Dieu. L'Éternel se pourvoira. My God, remasata la basse. Shema. Hey, yeah, yeah. C'est le temps. Dis ce nom. Oh, j'irai. Avait prévenu, il va avoir des turbulences. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Oui, 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 plus que ça. Faites du bruit. Amen. Avant que le futur orateur le montre, nous allons accueillir l'équipe de louanges de ce futur orateur. Mesdames et messieurs, nous les suivons. Oui, on peut toujours acclamer Jésus, Jésus. Alléluia. 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 En fait, c'est ma première fois d'être là, mais je fais comme si j'étais chez moi.
Amen. Vous savez, il y a un joueur. Le média nous dit que ce joueur, c'est un joueur planétaire. Il a fait les transferts, il était dans une équipe plutôt. Là, il est maintenant à Paris. La première fois que le joueur a marqué un but, j'avais un frère qui était parti dans ces matchs. Il est revenu la voix cassée parce que ce joueur avait marqué un but. Et pourtant, ce joueur ne connaît pas mon frère là, ni les membres de sa famille. Mais ça fait 2000 ans sur la croix. Il y a un joueur qui a marqué un seul. Et ce joueur-là connaît ma vie. Il connaît ma famille. Alléluia. Et pourtant, en sortant de ces lieux, vous n'aurez pas de voix cassée. Normalement, en sortant de ces lieux, on doit rentrer avec des voix cassées. Parce que le but que ce joueur a marqué, c'est pour nous donner la vie. C'est pour nous donner la paix. C'est pour nous donner la joie. La Bible dit, ah, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut crier très fort? Je disais, est-ce que tu peux ajouter des acclamations sur ces cris de joie? Alléluia, alléluia. T'as fini de crier? Est-ce que tu peux prendre même 30 secondes? Crie même pendant 30 secondes. Crie même pendant 30 secondes. Crie même pendant 30 secondes. Non, tu peux rajouter encore même 3 secondes. 3 secondes. Alléluia, alléluia. Jésus, est-ce que tu peux lever la main? Tu peux lui dire quelque chose? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Alléluia. Ouf. Tu sais pourquoi on t'appelle adorateur? Parce que tu as la possibilité d'adorer sans musique. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Adore Jésus. Adore Jésus. Avant que je chante, adore Jésus. Alléluia. Woo! Jésus. Centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Eres sentiro viro, tu orerai si, tu orerai si. There is power in your name. Miracles happen in your name. As we lift our hands to praise, it's your that I see. It's your that I see. Oh. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, yeah.
Oh, 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 oh. The victory belongs to Jesus. The victory belongs to Him. Chante avec moi, come on. Oh, 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 oh. À haute voix. Oh, oh, oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs. Chante avec l'église. Come on, j'aime ça, come on. Oh yes. Come on, dis-le encore. Victory belongs to Jesus. Dis-le encore, seulement avec l'église. Oh, 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 yeah. Woo. Victory belongs. Victory belongs to Jesus. Come on. Les adorateurs adorent. Alors que la musique continue, come on, élève ta voix. Adore Jésus. Adore Jésus. Soulève Jésus. Adore Jésus. Avec tes propres paroles. Yeah. Yeah. Hey. Chante à haute voix. Changer les choses, une heure dans ta présence.
suffit pour changer les choses. Emmanuel. Tu chantes juste Emmanuel. Emmanuel. Une adoration dans sa présence suffit pour être touché. Une adoration dans sa présence suffit pour être guéri. Emmanuel. Emmanuel. Les acclamations dans sa maison suffisent pour que sa gloire descende. Les acclamations dans sa maison suffisent pour que sa gloire descende. Emmanuel. 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 Oh oui, des cris de joie en ce lieu suffisent pour que sa gloire descende. Des cris de joie en ces lieux suffisent pour que sa gloire descende. Emmanuel, sa gloire descende. Emmanuel. Emmanuel. Église, église. Emmanuel. Yema, Yema, Emmanuel. Yema, Yema, Yema. Se manifeste de diverses façons. Notre Dieu, par sa puissance, peut guérir toute forme de maladie. Notre Dieu, par sa puissance, peut changer toute forme de destinée. Il peut réaligner et réajuster les destins les plus affectés par la malédiction. Notre Dieu, par sa puissance, transforme les vies. Mais l'une des manifestations les plus extraordinaires de la puissance de notre Dieu, c'est lorsque la mort ne peut pas lui résister. La Bible me parle de ce Fils de Dieu qui a été mis dans le tombeau 3 jours durant, mais la mort n'a pas pu le retenir. Et c'est au nom de ce Jésus que nous sommes rassemblés en ce lieu. Et ce soir, il s'est choisi un homme auquel il a donné un message, une vision, contenue dans un nom, cette résurrection. Cet homme marche avec la puissance de la résurrection. Je dis ce soir qu'il y a des vies qui vont être ramenées à la vie. Il y a des destins qui vont être... Ah, est-ce que tu sens cette atmosphère qui est en train de changer? Est-ce que tu sens cette atmosphère qui est en train de bouger? Il y a les anges de la résurrection qui sont en train de bouger dans la maison. Je ne laisserai pas une vidéo l'introduire parce que l'atmosphère m'impose que nous soyons ensemble pour joindre nos deux mains, pour recevoir sur cette estrade le leader de cette résurrection, l'apôtre Douglas Kionjeka, sous vos acclamations s'il vous plaît. Ce rendez-vous glorieux. Tu es venu sur la montagne Gira. Tu es venu recevoir. Tu
Tu es venu être au contact avec le sacré, avec le divin, avec celui qui était au commencement, avant même le commencement de toutes choses. Dis, mon cœur est disposé. Dis à Dieu, donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'esprit de connaissance. Donne-moi l'esprit de force. Déploie mes ailes. Restaure ma vie. Ressuscite-moi. Emmène-moi encore plus haut, plus loin. Et que ta gloire soit visible et qu'elle soit manifeste. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te remercie. Mon âme te psalmodie, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment merveilleux. Merci, Père, de nous avoir, ô Dieu, choisi pour faire partie, Seigneur, mon Dieu, Père, de cette grande équipe, pour, Seigneur, des canaux par lesquels tu vas passer. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ton onction. Je demande ton huile. Je demande l'inspiration qui vient de toi. Je demande la force, la puissance. Donne-nous de proclamer ta parole avec force, efficacité. Et que Jésus-Christ soit glorifié au-dessus de tout. Saint-Esprit, nous voulons nous joindre à toi. Et qu'ensemble, ici même à Providence, que nous puissions glorifier celui qui était, qui est et qui vient, qui est au-dessus de tout nom. Celui qui nous attend là, au sommet de la montagne. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pouvons-nous acclamer sa majesté le roi? Pouvons-nous acclamer? Quelqu'un peut pousser le cri de joie vers le rocher de notre salut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer en criant, en disant, Jiré? Est-ce que tu peux dire avec moi, Jiré? Je déploie mes ailes au nom de Jésus. Amen. Restons debout quelques minutes. Je voudrais remercier vraiment le nom du Seigneur pour cette belle opportunité qui nous fait en tout cas d'être là. Et merci vraiment de tout cœur à mon frère ami, l'évêque Gélil Dorégo, ainsi que son épouse, le pasteur Shirley. Est-ce qu'on peut le célébrer en acclamant le Seigneur, le leader de cette grande vision et merveilleuse vision? Un homme de bien, un homme de cœur, un homme que j'affectionne énormément. Et je suis vraiment honoré également d'être là avec mes frères, mes amis. Je vois le prophète Jean Toto. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? Le pasteur Serge Dalla, qui nous a fait le souffle hier. Le prophète Samuel Adé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? J'ai découvert qu'on l'appelait bouche d'or. Donc je prépare déjà ma vie pour recevoir l'or qui va venir de Dieu au travers de ta vie. Le pasteur Karine, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie également? Et merci encore à vos frères et amis qui m'a beaucoup propulsé, le pasteur Papi Trumpy. Que Dieu te bénisse. Et je salue tous les hommes de Dieu qui sont là. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné par mes fils et filles spirituelles. Ah, je vois le pasteur Serge qui est là. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, dans la foule. Gloire à Dieu. Moi, je suis avec le couple pastoral Teddy et Dominique. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, attache ta ceinture. Dis-lui simplement, attache ta ceinture. Je bénis Dieu parce qu'hier, on nous a déjà prévenu qu'il va y avoir des turbulences. Et nous avons déjà commencé à sentir des turbulences. Mais ce n'est que le début du commencement. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais, dans cette conférence, dont le thème est « Déploie tes ailes », parler sur un sous-thème intitulé « Prends ton envol comme un aigle ». Regarde ton voisin, dis-lui « Prends ton envol comme un aigle ». Ok, regarde l'autre voisin, dis-lui « Prends ton envol comme un aigle ». En fait, un aigle ne parle pas aussi timidement, il parle parce qu'il sait là où il va. Il parle avec assurance. Est-ce que tu peux parler avec assurance? Prends ton envol comme un aigle. Nous allons prendre trois textes plutôt. Le premier se situe dans le livre de Exode au chapitre 19, le verset 3 au verset 4. Ensuite, nous irons l'Exode 32, le texte de base, au verset 4. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël,
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Deuxième texte, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 9 au verset 11. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte et dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il a pris soin. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Amen. Le dernier texte que nous allons prendre se situe dans le livre de Jérémie au chapitre 49, le verset 22. Il est dit ceci: voici comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botra. Et le cœur des héros des Dômes en ce jour que nous avons lu, nous pouvons dire que se présente comme celui qui va déployer d'abord ses ailes. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il déploie ses ailes pour transporter tout un peuple, toute une nation d'un territoire où il était en esclavage vers le territoire de sa destinée, vers le territoire de sa bénédiction. Donc Dieu, et dans les Écritures, vous pouvez le voir aussi bien dans l'Ancien Testament que quelques textes du Nouveau Testament, nous voyons quelques images, au fait, qui sont des représentations de Dieu, des images d'animaux. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu peut prendre certaines images, telles que les images d'animaux, pour parler de sa propre personne? En réalité, Dieu, dans toute la création, a voulu que la création puisse manifester ou encore refléter une partie de sa personne, une partie de sa divinité. Voilà pourquoi Paul parle des perfections invisibles qui sont visibles à l'œil nu quand on regarde la création. Donc, quand tu regardes certains animaux, tu peux voir la marque de Dieu. Quand tu regardes un lion, tu peux voir dans le lion le côté royauté de Dieu, n'est-ce pas qu'on l'appelle également le lion de la tribu de Juda. Quand vous regardez l'agneau, nous voyons également le côté de Dieu, qui est cet agneau qui a ôté le péché du monde. Quand vous regardez un veau, par exemple, qui est l'image, au fait, d'un animal qui est comme au service de Dieu, donc le côté serviteur, nous le voyons là. Et heureusement, ici, nous voyons plutôt l'image d'un aigle. Quelqu'un dit avec moi, un aigle. Pas n'importe quel aigle, parce qu'il y a différents types d'aigles. Vous allez bien voir, quand vous lisez la Bible, qu'on parle de Dieu comme étant l'aigle royal. C'est parmi les aigles les plus magnifiques, excellents, des aigles qui manifestent, au fait, le côté suprématie ou encore royauté de Dieu. Alors, quel enseignement on peut tirer à partir de ces deux premiers textes déjà? Dieu lui-même est un aigle. Et c'est Dieu qui déploie ses ailes. En réalité, l'ange de la maison a reçu ce thème, déploie tes ailes. Mais quand vous lisez dans le texte, on dit bien que c'est Dieu qui déploie ses ailes. Donc, en réalité, il n'y a pas erreur là-dessus. En réalité, quand Dieu déploie ses ailes, nous aussi, nous déployons nos ailes. Parce que nous, nous retrouvons en Dieu. Notre identité est en Dieu. Comme Dieu déploie ses ailes, il veut également que son peuple puisse déployer ses ailes. Alors, allons-y. Je vais enseigner, je prêche en même temps. Allez rapidement et droit au but. Et tu vas comprendre la pensée de Dieu pour nous lors de cette session. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un aigle? Un aigle, et par définition, si vous regardez, un aigle, c'est un oiseau. Dis avec moi, c'est un oiseau. Dans l'hébreu, le mot aigle veut dire nécher. Et nécher veut dire celui qui déchire avec le bec. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es un nécher. Et tu dois déchirer avec le bec. Le bec parle de la bouche en réalité. En réalité, la bouche parle de la parole. Un aigle se déploie d'abord avec la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois te déployer. Tu es obligé. Moi, je suis venu à gérer. C'est vrai, maintenant je prêche, mais je suis venu recevoir.
parce que j'ai envie, je désire me déployer. Non, ma condition d'avant ne sera pas la même que ma condition d'après, j'irai. Si ce n'est pas ton cas, moi je dis amen pour moi-même. Parce que je sais que je suis venu déchirer avec le bec, déchirer avec la parole. Et l'aigle royal, j'ai fait des recherches sur le dictionnaire, un aigle royal ou encore aigle doré, c'est pourquoi je parlais de bouche d'or. L'aigle doré mesure 90 cm avec une envergure de 3 mètres. Son vol est léger et rapide et il place son nid très haut dans les hauteurs, dans les régions élevées, et il porte ce petit sur ses ailes. Donc tu vas déployer tes ailes parce qu'il y a des petits. Il y a des petits que tu vas porter sur tes ailes. Et en d'autres, et aussi, l'aigle possède une grande énergie, c'est-à-dire elle a une force que personne ne peut contrôler, que personne ne peut arrêter. Et toutes ces qualités nous parlent en fait de symboles, ce sont en fait en réalité des symboles de la suprématie des enfants de Dieu. Quand Dieu t'appelle un aigle, en réalité, il a fait de toi quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui est haut, quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui doit contrôler et dominer. Voilà pourquoi, même dans les nations, vous allez voir, l'aigle est l'emblème des nations les plus puissantes. Vous regardez Rome, vous regardez l'Allemagne, vous regardez les États-Unis, les Fidji. L'emblème qui les représente, c'est l'aigle royal. Pourquoi ? Pour parler en réalité de la suprématie. Et dans la Bible, l'aigle est associé à quatre choses majeures. Premièrement, quand on parle de l'aigle, on voit le courage et l'endurance. Donc tu dois être courageux, tu dois être endurant. Parce que ça ne sera pas toujours facile. Deuxièmement, on nous parle, l'aigle est associé à la richesse matérielle. C'est-à-dire, en tant qu'aigle, Dieu doit te faire pousser les ailes de la richesse. Tu es venu enterrer l'esprit et la mentalité de la pauvreté. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Troisièmement, l'aigle nous parle aussi de la guerre. Et l'homme de Dieu hier nous a parlé de cette dimension de guerre. Hier, tu as compris. Dieu n'a pas besoin de la foule, de la masse. Il n'a pas besoin de 22 000 personnes. Il n'a pas besoin de 10 000 personnes. Il a besoin de 300 personnes qui ont compris qu'il ne faut pas fléchir les genoux, qu'il faut être debout, il faut être prêt à se sacrifier pour la cause du royaume de Dieu. Et quatrièmement, l'aigle nous parle de la protection. Et le texte de Deutéronome 32, verset 11, nous parle en réalité de la protection. Et Dieu dit, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Oh, Dieu est un aigle qui se déploie et qui transporte son peuple, qui délivre son peuple, qui aide son peuple à prendre possession. Et nous sommes venus ici pour être portés et pour porter les autres à sortir d'une situation et aller là où Dieu nous attend, à prendre possession de notre Canaan, à conquérir des choses qui étaient autrefois impossibles. Possible. J'ai compris en méditant et en étudiant sur ce texte, en réalité, il n'y a pas d'impossibilité pour un aigle. Et je suis venu te dire, bienvenue dans la saison, bienvenue dans la saison des possibilités infinies, des possibilités illimitées, parce que Dieu fait de toi un aigle. Ah, dis, je commence à déployer mes ailes. Il a porté Israël. Et je veux dire à quelqu'un, tel il est, tel aussi tu es. Si tu es un aigle, alors il fait de toi un aigle. Ah, si peut-être que tu venais de naître en Jésus aujourd'hui, même si tu n'es pas encore un aigle affermi, tu es au moins un aiglon. Oh, nous sommes dans la génération des aigles et dans la génération des aiglons. Et tel il est capable de faire des choses, tel il nous rend aussi capable de faire les mêmes choses. Si Dieu peut se déployer pour transporter, pour faire des choses, il peut aussi te déployer pour que toi aussi tu fasses comme lui. Amen. Déployer, c'est quoi? Déployer veut dire étendre. Déployer, c'est se développer. Déployer, c'est ouvrir ce qui était plié ou bien roulé. Il y a des choses qui étaient pliées, fermées, bloquées, comme ça, paralytiques, ça va marcher.
Oh non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Depuis peut-être que tu es né, peut-être que depuis janvier jusqu'à maintenant même, ça ne marchait pas. Après, j'irai, ça va commencer à se déplier. Je te parle prophétiquement des choses vont prendre une nouvelle tournure. Déployer veut dire... Dieu vous ouvre l'esprit sur beaucoup de réalités. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai dit, mais Seigneur, les ailes représentent quoi? Parce qu'on nous parle de déployer ses ailes, ça peut représenter quoi? Déjà, par définition, les ailes sont des... n'a pas d'ailes. Donc, tu es obligé d'avoir les ailes. Et comme Dieu lui-même est un aigle qui a des ailes, en réalité, tu as aussi des ailes, mais peut-être des ailes qui sont encore pliées. Mais ici, ça va se déplier, ça va se déployer pour prendre une autre vitesse, un autre élan, aller à une autre dimension. Mais laissez-moi vous dire d'abord quatre vérités avant de continuer. J'ai vu qu'il y avait quatre étapes pour déployer ses ailes. Quatre étapes. La première étape, c'est qu'il faut avoir la révélation de Jésus. Tu ne peux pas déployer tes ailes si tu n'as pas d'abord la révélation de ce Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il est censé être le centre. Il est censé être à la base. Il est censé être le carrefour incontournable. Tu ne peux pas aller loin sans lui. Il y a des gens dans ce monde apparemment qui réussissent, apparemment qui prennent le vol. J'aimerais te dire, ce ne sont pas des aigles. C'est peut-être des hirondelles. C'est peut-être des pigeons. C'est peut-être des canards. Mais je suis en train de parler pour toi et moi qui avons la révélation de Jésus. Tu n'es pas un canard. Tu n'es pas une rondelle. Tu es un aigle. Et l'aigle a la révélation. La révélation, c'est l'action d'ôter le voile. La révélation, c'est le fait de voir. Je suis venu dire à quelqu'un que le voile tombe. Au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, nous sommes une race qui perce le voile. Une race qui ne regarde pas seulement les choses visibles. Au-delà du voile, il y a quelque chose. Au-delà du voile, il y a quelqu'un. J'aimerais dire, tous ceux qui ont rencontré cet homme, leur vie ont été bouleversées, leur vie ont été bousculées. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et non seulement le rencontrer, entretenir une relation intime, une relation personnelle dans la soif de Dieu. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Alors tu comprendras que plus tu le connaîtras, plus tu déploieras tes ailes. Ah, ce n'est pas difficile. J'entends quelqu'un dire, mais oui, je n'ai pas autant de capacités, je n'ai pas autant de ceci. Ce n'est pas d'abord fondamental. La première condition, c'est d'abord Jésus. Je dis bien la première condition. Tout le reste viendra après. C'est d'abord Jésus. Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent alors qu'il bégayait. Dieu a fait de lui Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu alors qu'il bégayait. Dieu va changer tes faiblesses. Il va changer tes imperfections. Il va changer tes limites parce qu'il est au cœur de ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, le problème, c'est Jésus-Christ. Si tu arrives à le connaître et à lui faire confiance, à avoir sa révélation. Un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Il se tourne vers Pierre. Il voulait que les ailes de Pierre se déploient. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et il est saisi par la révélation. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Aussitôt, il a reçu les clés, il a déployé ses ailes. Les clés de l'apostolat, les clés de l'église. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as fait la théologie, j'ai fait la théologie. Ce n'est pas parce que tu as fait des grandes études, c'est parce que tu as une relation personnelle et il t'est apparu et il t'a dit, va. Alors là, les choses commencent à changer. Ça, c'est la première des choses. Il a changé la vie de plein de personnes. Deuxième chose, pour déployer tes ailes, tu dois prendre conscience de ton identité et de tes talents. Oui.
Alors, quand tu rencontres Jésus, quelque chose se passe. La Bible parle de la nouvelle naissance. En réalité, tu changes de nature. Tu changes de nature. Tu as peut-être des compétences, des talents, mais tu as peut-être une nature de cochon. C'est ça le problème. Oui, oui, oui. Tu es dans. Tu peux vivre facilement dans l'impudicité. Tu peux tromper facilement ton mari, ta femme. Mais lorsque Jésus vient en toi, il change ta nature. J'étais cochon, j'étais habitué à la boue. Mais lorsqu'il entre en moi, il me lave, il me change, il me transforme. Il fait de moi une nouvelle créature. En effet, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai changé d'identité. Regarde ton voisin, dit j'ai changé d'identité. Quand tu changes d'identité, en réalité, tu commences à aimer, à t'acclimater, à désirer, à t'affectionner, à aimer les choses d'en haut. Si Christ est ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Les aides aiment les hauteurs, ils aiment les choses d'en haut. Ils aiment respirer l'air du ciel. Ah, je ne suis plus un cochon. Il n'a pas amélioré ma nature, mais il a transformé ma nature. Je ne suis pas un cochon ailé, mais je suis un aigle avec des ailes. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste en Christ. Troisième chose qui est importante à noter, c'est la préparation. Nous voulons déployer nos ailes, mais il est important d'être préparé. Il est important d'être formé. Il est important d'être équipé afin d'être qualifié. Oui. Là, il est question d'un temps ou encore d'une phase d'apprentissage. Une phase où Dieu doit télécharger de nouvelles informations. Il faut qu'il y ait renouvellement d'intelligence. Il faut qu'il y ait transformation de ta vie. Il faut qu'il y ait redimensionnement. Tu dois te redimensionner. Si mon mauvais caractère était visible de 5 personnes quand j'étais encore à 1 mètre, il sera visible auprès d'une multitude quand je serai à 100 mètres de la terre. C'est pour cela que tu as besoin d'être taillé, tu as besoin d'être éduqué. Également, ton voisin accepte l'éducation. Que des chrétiens qui viennent à l'église, on leur prêche la parole. Eh bien, tu ne sais pas que j'ai des diplômes. Tu ne sais pas que je suis fils de. Je suis fille de. On n'a pas besoin de fils de. On n'a pas besoin de fille de. Tu as besoin de te redimensionner. Tu dois apprendre la politesse, la loyauté. Tu dois apprendre. Alléluia. Dis à Dieu, prépare-moi. Et me déploie des projecteurs. Tu vas tout vivre. De la forme n'est pas visible. Laisse Dieu te t'entraînement. Mais attention, s'agir. Mais quand j'ai l'autorité, me conférer le pouvoir, il met le sceau. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Parce que c'est Dieu qui a imposé. Parce que ça vient de Dieu. Il y a un mandat. J'irai. Il y a un mandat derrière cela pour amener l'église. Pas seulement Providence, mais Dieu m'a dit d'ailleurs de te dire, c'est pas seulement une conférence de Providence, c'est la conférence du corps du Christ pour toucher le monde. Amen. Dans le mandat, il y a la probation. Dans le mandat, il y a la providence. La providence pour le déploiement. J'ai noté deux définitions en hébreu qui ont attiré mon attention. Le mot « elle » en hébreu, il y a deux définitions qui en parlent. Ces deux définitions sont un peu différentes. Je vais rapidement parler de la première définition, mais je vais plus essayer de développer un peu la deuxième. Première définition du mot elle en hébreu, c'est kanaf. Kanaf, qui veut dire elle, bien évidemment, mais l'aile, on se sert de ces ailes-là pour voler et pour couvrir. Donc, ça a le sens de la protection. Kanaf, c'est le sens de la protection, voler et couvrir. D'accord. Et en fait, en gros, ça nous parle de l'ombre. Ça nous parle d'un refuge. Ça nous parle d'une protection. Et vous le trouvez dans le livre de Ruth, chapitre 2, le verset 12. Il est dit ceci. Boaz dit à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth était venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Elle a bénéficié de la protection, mais aussi de la bénédiction de Dieu. Les ailes de Dieu sont des lieux de refuge. Toi qui as perdu un mari, perdu une femme, perdu un parent,
tu es dans une situation difficile, j'aimerais te dire ce soir, c'est qu'il y a les ailes de Dieu qui sont là pour te couvrir, te redonner ce que ton père ou ta mère ne pouvait pas te donner, ou encore un homme ne pouvait pas te donner. Et quand on parle d'ailes comme ça, ça veut dire que ces ailes deviennent, en fait, quand tu déploies tes ailes dans ce sens, tu deviens en réalité une référence. Tu deviens en réalité un modèle à suivre. Tu deviens en réalité une source d'inspiration. Tu n'as aucune idée des gens qui te regardent et des gens qui comptent sur toi. C'est pour cela que tu dois continuer à déployer tes ailes. Toi qui voulais abandonner la foi chrétienne, la vie chrétienne. Toi qui voulais arrêter de servir Dieu. Continue à déployer tes ailes parce qu'en le faisant, quelqu'un est encouragé quelque part. On a vu pendant le Covid, c'était difficile. Mais on a tenu bon par la grâce de Dieu. Et en le faisant, il y en a qui ont eu le courage. Il y a eu des ministères qui sont nés pendant le Covid. Ah, la Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Mais nous ne sommes pas de ceux qui fléchissent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour déployer leurs ailes. Nous sommes en train de nous déployer au nom de Jésus. Amen. Deuxième définition. En hébreu, c'est héber. Héber, qui a le sens de voler, mais avec rapidité. Voler avec rapidité. En d'autres termes, cela nous parle en réalité d'une grande vitesse. Et là, je veux parler des trois choses majeures qui vont être comme les fondements de ce message. C'est-à-dire, tes œuvres. La première chose qui va arriver, c'est que tu vas devenir plus fort qu'avant. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les circonstances négatives, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quand tu déploies tes ailes, en réalité, tu deviens plus fort parce que l'aigle aime bien la tempête. L'aigle aime les situations difficiles, compliquées. C'est là qu'il démontre qu'il est différent des autres animaux. Ok, tu n'as pas bien compris. Quand on déploie des ailes, ça veut dire on est en train de fournir des efforts. Tu es en train de fournir des efforts. Vous savez, quand vous faites du sport, c'est pas facile. Je vais souvent à la salle de sport. Et c'est compliqué. Hein? Ah, j'ai dit, je vais faire 27 minutes de cardio, 15e minute, on dit, oh Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. C'est ça, déployer ses ailes. Tu es en train de faire une gymnastique spirituelle. Et pendant que tu es en train de fournir des efforts, en réalité, il y a une force qui est en train d'augmenter en toi. Une force qui est en train de se développer en toi. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ésaïe 40, verset 31 nous dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. En réalité, quand tu commences à te déployer, c'est là que aussi ton vol commence. J'aimerais que tu tapes ton voisin et tu dis, commence à prendre ton envol. Ah non. Tu ne m'as pas bien compris. Dis-lui, commence à prendre ton envol. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui prennent leur envol, ce n'est pas ceux qui comptent sur eux-mêmes. Ce n'est pas ceux qui comptent sur leur capacité. Ce n'est pas ceux qui comptent sur leur talent. Mais c'est ceux qui comptent sur l'esprit de force. Car il a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Mais ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Quand tu comptes sur Dieu, tu reçois une force surnaturelle au-delà de ton imagination qui va commencer à te donner la force de voler. À Providence, nous sommes en train de voler. On nous a dit, nous allons atteindre la vitesse de croisière. Attachez vos ceintures s'il le faut. Détachez-les aussi s'il le faut. Car ce ne sont pas des turbulences qui vont nous faire crasher. Il n'y aura pas de crash. Il y aura atterrissage à bon endroit. Tu vas atterrir à ta destination.
La foi, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la confiance. Tu as besoin de t'appuyer sur Dieu. Dieu est capable. Même quand on pensait plus qu'un jour on allait revenir en présentiel. Là, la Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Des fois, il n'y a pas de moyen d'espérer. Tu regardes tout autour de toi, les indicateurs sont négatifs. Ce n'est pas possible. Mais j'aimerais te dire, il y a un après cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que celle de la première. Avant Covid, on était de l'autre côté. Après Covid, nous voici à la rue de l'université. Bienvenue à l'université du Saint-Esprit. Satakayatakaratakaba. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Dis, je déploie mes ailes. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Laisse-moi déclarer comme un écher. Laisse-moi déchirer comme un aigle. Je dis, ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ah, ce qui a rabaissé les autres ne te rabaissera pas. Je suis venu dire à quelqu'un, de ce qui mange sortira ce qui se mange. Du fort sortira le doux. La force spirituelle que Dieu te donne, c'est pour déchirer les lions comme Samson. Hier, on nous a parlé de Samson. Il a reçu l'onction pour déchirer. Charabababababababa. Oh. Je veux parler encore. Ça ne dépend pas de mon sexe. Ça ne dépend pas de mon rang social. Ça ne dépend pas de mon niveau d'études. Ça ne dépend pas de toutes ces choses. Mais ça dépend de Dieu. La Bible dit, la course n'est pas aux agiles. C'est pas parce que tu es plus agile que tu vas remporter forcément la course. Tout dépend des temps et des circonstances. Il y a un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Dis à ton ami, et la force. Déploie tes ailes. Dieu veut te donner du poids. Il faut avoir du poids pour t'imposer au milieu des ennemis. Il faut avoir du poids pour dominer au milieu des adversaires. Deuxième chose importante qu'il faut souligner. Quand tu commences à déployer tes ailes, tu montes plus haut malgré la pesanteur. Quand on commence à se déployer, laisse-moi te dire, tu vas monter encore plus haut. Et ça, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Dieu va t'emmener encore plus haut. Et il va défier la force de pesanteur. Et la force de pesanteur, en réalité, c'est une force d'attraction qui entraîne tous les corps vers le centre de la terre. C'est-à-dire, quand tu veux monter, il y a une force qui est force qui t'attire vers le bas. C'est une force d'attraction vers le bas. Bien-aimé, déployer ses ailes pour aller plus haut, ce n'est pas facile. Donc dites-vous que quand l'aigle monte, en réalité, l'aigle est en train de défier une loi naturelle. Une loi que Dieu a imposée. Or, qu'est-ce qui fait qu'il déploie, qu'il défie cette loi? C'est la nature qu'il a. Ta nature va faire que tu vas toujours vivre, survivre, monter, aller encore plus haut et plus loin. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient les contraintes de la vie, quelles que soient les circonstances difficiles, redoutables, on a connu le temps de pandémie, des maladies, on a vu comment est-ce que les gens sont tombés dans la pauvreté atroce, les gens ont tout perdu, travail, tout. Mais Dieu te dit, ne regarde pas ces choses. C'est une réalité. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas considérer la réalité. La réalité est là, mais la vérité est autre. La réalité, je n'ai pas le travail, mais la vérité, c'est que je vais aller plus haut. La réalité, c'est que je suis peut-être malade, mais la vérité, c'est que le Dieu qui guérit toute maladie est là pour me guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La présence des géants était la force de pesanteur. Et ceux qui étaient charnels ont vu les fils d'Anak. Mais ceux qui étaient des aigles ont dit, montons et emparons-nous du pays. Nous sommes en train de monter pour conquérir.
Nous sommes en train de monter pour nous emparer. Je ne sais pas à qui je parle ou Dieu est en train de parler, mais tu dois monter pour t'emparer. On s'empare de quelque chose par la violence. Et j'ai compris par ce texte qu'il y a des bénédictions qui ne s'attrapent que dans les hauteurs. Tu n'as pas compris. Si tu ne montes pas, tu n'auras pas un certain type de bénédiction. Il y a un certain type de bénédiction, de grâce, de faveur, que tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Mais canard, il faut d'abord monter pour s'emparer. On ne s'empare jamais de canard quand on est encore. Oh Seigneur, aide quelqu'un à comprendre cette parole. Bien-aimé, tu as des promesses qui font que tu dois monter. Dieu ne veut pas que tu sois dans la basse-cour. Dans la basse-cour, c'est là qu'on trouve les canards. Ils sont là toujours en train de... Dans la basse-cour, ce sont les gens qui se lamentent tout le temps. Moi-même, ils pleurent, ils murmurent, ils se plaignent toujours. Des gens qui s'apitoient sur leur sort. Les gens qui volent comme des aigles. Les gens qui déploient leurs aigles ne murmurent pas. Ils ne se plaignent pas. Ils constatent des défis, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire, s'il y a des défis. Mais le problème, c'est que moi, je suis un aigle. Donc, quand je regarde le problème, je ris. Même Dieu, quand il regarde ses ennemis, la Bible dit, Dieu qui est au ciel se rit. Si Dieu rit, et pourquoi pas toi? Regarde ton voisin, tu lui commences à rire. Parce que moi, je suis destiné à la hauteur. Les aigles sont dans les hauteurs. Et la hauteur nous parle d'une dimension de prière. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux déployer tes ailes et aller dans les hauteurs, tu dois devenir un homme de prière, une femme de prière, un homme qui cherche Dieu, un homme qui dit jusqu'à ce que je te trouve, un homme qui monte dans la chambre haute, un homme qui va dans les montagnes. Le rendez-vous, c'est au sommet. Le rendez-vous n'est pas dans la vallée. Le rendez-vous, c'est au sommet. Pourquoi? Parce qu'au sommet, c'est là qu'il y a notre Dieu, notre Père. D'ailleurs, on dit notre Père qui est aux cieux. Et lorsque tu commences à prier, en réalité, tu es en train de te fondre. Tu es en train de voler dans la haute altitude. Lorsque tu rentres dans la dimension de la prière, tu commences à maîtriser toutes sortes de turbulences. Je n'ai jamais vu une bénédiction de Dieu venir sans combat. Le problème, c'est comment on réagit face au combat. Les uns pleurent, les autres se réjouissent. Les uns se lamentent, murmurent, et les autres donnent des actions de grâce à Dieu. Nous entrons dans cette saison, nous allons rendre grâce à Dieu. La prière est le travail des serviteurs de Dieu qui déploient leurs ailes. La prière est la chose qui a transformé la vie de tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité avec Dieu. Dans toute la Bible, tous ces grands que vous connaissez, lisez bien leur vie. Ils étaient des hommes et des femmes de prière. Abraham était un homme de prière. Moïse était un homme de prière. Samuel était un homme de prière. Eux tous, Daniel, Élie, Jésus lui-même, des hommes de prière. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire serviteur de Dieu, servant de Dieu, je vais déployer mes ailes, peu importe ce que tu vas faire, sans avoir la prière comme soubassement. Tu dois avoir la vie de prière comme soubassement. Et quand tu commences à prier, Dieu donne une promesse à ceux qui prient. Il dit, voici mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, mon serviteur s'élevera, et il s'élevera bien haut. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de ton élévation. Quand tu commences à déployer tes ailes, indirectement, Dieu est en train de t'élever spirituellement. Je ne parle pas de la célébrité, mais je parle de l'élévation, car il est possible d'être célèbre sans être élevé par Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Dieu dit de David, dans psaume 89, je ferai de lui le roi le plus élevé de la terre. Je prie que Dieu amène quelqu'un dans les hauteurs à gérer alors que tu es en train de déployer tes ailes. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère par ta prière. Change l'atmosphère par des jeûnes, par la consécration. Ah, va, monte. Tu es peut-être dans ta chambre, mais ton esprit est monté vers Dieu. Et quand tu commences à maîtriser les hauteurs, tu descends maintenant avec un changement radical. Bien-aimé, quand tu montes dans les hauteurs, Dieu fait de toi un chef. Il fait de toi un commandant. Il fait de toi la tête. Voilà pourquoi il a dit, tu seras toujours en haut et non en bas.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton ami, déploie tes ailes. Tu liras Ézéchiel 17, verset 3. Je n'aurai pas le temps de le lire. Et tu comprendras que ceux-là qui montent dans les hauteurs sont capables d'aller dans le camp de l'ennemi et d'arracher ce que Dieu leur a déjà donné. Il y a une promotion que l'ennemi a entre ses mains, mais c'est réservé pour toi. Il y a une bénédiction que Dieu t'a déjà réservée, mais c'est entre les mains de quelqu'un. Le temps arrive où tu dois monter dans les hauteurs, prendre ce qui est à toi. Toutes les choses ne s'obtiennent pas facilement. Monte et prends ce qui est à toi. Et regarde ton voisin, dit, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Et ce que j'aime aussi dans les hauteurs, un aigle, en réalité, il a une vision perçante, une vision, un champ de vision très large. Les recherches nous montrent que le champ de vision d'un aigle, c'est entre 240 et 360 degrés. Il peut regarder, il peut voir, apercevoir quelque chose jusqu'à 8 km. En réalité, quand tu montes, plus tu montes dans les hauteurs, Dieu fait de toi en réalité quelqu'un de prophétique. Ok, non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Je ne te dis pas que tu es prophète, mais je dis que tu es prophétique. Je rectifie. On sera tous dans l'école des prophètes, on va apprendre. Il ne faut pas sortir ici, on a dit je suis prophète. Non, j'ai dit tu es prophétique. Être prophétique, c'est-à-dire voir à l'avance déjà aujourd'hui. Je le vois, mais tu peux voir le futur, mais maintenant. Plus tu montes dans les hauteurs, plus Dieu commence à t'établir, à te montrer des choses. Tu ne peux obtenir que ce que tu vois. Que vois-tu? Tu ne peux aller que là où tu as vu, ce que tu as vu en esprit, là où tu te vois. Vous savez, ce lieu ici avait déjà été vu en esprit. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Et maintenant, ça c'est peut-être un terminus pour quelqu'un, mais ce n'est pas le terminus pour le bishop. Parce que pour le bishop, il y a encore une autre vision perçante. Je suis venu te dire, quand il y a déjà un accomplissement, ne t'arrête pas là. Regarde encore plus loin, car Dieu veut t'emmener plus loin encore. Donne-moi un bon amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu vas aller loin. Tu vas monter loin et tu vas aller loin. Et quand on est dans les hauteurs, on commence à contrôler, à maîtriser. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut monter dans la prière. Et quand on monte dans la prière, en réalité, on maîtrise le monde spirituel et on est capable de contrôler le monde physique. Bien aimé, je vous dis, ça marche. Je vois comment des situations difficiles sont transformées par Dieu parce qu'on est monté dans les hauteurs. Dernier point et je finis. Dernier point. Si tu veux déployer tes ailes, tu dois aller plus loin. Et quand ton voisin, tu lui vas plus loin. Ah, dis-lui, va plus loin. Un aigle, c'est un oiseau qui vole très vite, très rapidement. On nous parle d'une vitesse. Il est capable de déployer ses ailes et aller à une vitesse de 320 km/h. C'est énorme. Alors qu'un moineau vole à 50 km/h, l'aigle vole à 320 km/h. Ce que Dieu veut nous dire ce soir, c'est qu'il veut que ta vitesse augmente. C'est pour cela que nous avons vu le texte de Jérémie chapitre 49 verset 22. On nous parle d'un aigle. Un aigle qui a commencé à déployer ses ailes. Et ses ailes se sont étendues jusque là où il y avait les héros d'Édom. Écoutez bien, je finis là. Il y avait les héros d'Édom. Là où ses ailes se sont déployées. Et quand les héros ont entendu les déploiements des ailes, ils ont commencé à trembler comme une femme qui est en travail. Ça veut dire quoi? J'aimerais dire d'abord à quelqu'un, ne tremble pas devant les gens de ce monde qui font des exploits. Ne tremble pas. Laisse-les faire des exploits. Toi, suis le cheminement. Déploie tes ailes progressivement. Quand tes ailes seront bien déployées, quand on déploie ses ailes, on commence à voler, il y a un battement, n'est-ce pas? Et quand un battement comme ça, il y a un bruit. Et quand il y a un bruit, les héros, c'est-à-dire les gens qui ont fait des exploits dans le monde, avant toi ou même pendant ta vie, commencent à entendre dire non. On a entendu un certain Gélil Dorégo, responsable des églises Providence. Mais tu es en train de travailler parce que ce que je vois en réalité, c'est que d'ici quelques temps, cette église va doubler. Okay. Donc tu n'as pas vu, tu n'as pas compris. Je vois deux cultes et je vois un déploiement. Maintenant, il y a des gens qui t'ont connu dans le passé. Il y a des gens qui ont fait des exploits dans le passé. Mais qui sont peut-être en perte de vitesse.
commence à dire non, quelque chose se passe. Alors pour t'arrêter, il commence à salir ta réputation. Pour t'arrêter, il commence à dire de faux témoignages. Quand tu entends les faux témoignages, dis-toi, sensibilité spirituelle, les temps approchent. Quand les gens commencent à parler de toi en mal, ça veut dire que quelque chose qui est en train de rayonner en toi, les ailes sont en train de se déployer. Ce sont des héros qui parlent. Ce sont des gens de renom qui parlent. Ce sont des gens qui ont fait des exploits qui parlent. Mais pourquoi moi quand j'arrive, ils ont peur? Pourquoi quand moi j'arrive, c'est la peur, c'est la ils sont en train de trembler. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ils vont encore trembler. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi ils vont trembler? Parce qu'ils sont en train de sentir que non seulement tu vas les rattraper, mais tu vas les dépasser. Je suis venu te dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé à être un millionnaire avant toi. Toi, tu vas devenir millionnaire, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir multimillionnaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé le ministère avant moi. Je suis venu dire à quelqu'un, puisque je déploie mes ailes, je suis capable de rattraper le temps. Mon Dieu est un Dieu de rattrapage. C'est un Dieu de ré. Dis avec moi, Dieu de ré. Ré-rattrapage. Ré-restauration. Ré-résurrection. Ré-relèvement. Ré-ré-ré-ré. Tu vas rattraper le temps perdu. Non seulement tu vas rattraper, tu vas les dépasser. Bienvenue dans la saison des gens qui rattrapent et qui dépassent. Nous sommes dans la session des rattrapages et dans la session de dépassement. Nos ailes sont en train de se déployer à Botra. Dis avec moi Botra. Dis avec moi Botra. Quand vous lisez Botra, Botra est une ville des dômes. C'est une ville tellement prospère. Le nom Botra veut dire enclos. Le nom Botra veut dire inaccessible. Terre inaccessible. En réalité, lorsque tes ailes commencent à se déployer, Dieu veut te dire simplement qu'il n'y a plus de choses qui deviennent inaccessibles pour toi. Il n'y a plus d'enclos pour toi. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? C'est-à-dire les choses que tu trouvais impossibles, inaccessibles. J'aimerais te dire, parce que tu déploies tes ailes, ça arrive à Bosra. Les gens entendent. Ils disent non, il n'était pas possible qu'elle soit mariée. Elle, avoir un enfant, c'est pas possible. Il y a eu des lois dans la famille. Il y a eu des liens, il y a eu des malédictions. Mais laisse-moi me dire, quand on déploie des ailes, les liens tombent. Quand on déploie les ailes, les malédictions tombent. Lorsqu'on déploie les ailes, tu arrives à Bosra. Bosra, c'est aussi la prospérité. Je suis venu te dire, Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Sois prospère spirituellement, financièrement, matériellement. J'annonce une saison de Botra. Alors que le Sahara, Yeshua. Sanabrinos, Canabrala, 49, Canabrinos. Écoutez, écoutez. Alors que tu déploies tes ailes, tu es en train d'aller à Botra. Dieu est en train de te rendre fécond à l'extrême. Dieu est en train de t'emmener dans une saison de prospérité illimitée. C'est le Dieu de possibilités illimitées. Dieu t'emmène dans la saison des ouvertures. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Je n'ai pas de relation, mais j'ai un Dieu. Je n'ai pas de relation, mais j'ai un Dieu. Qui m'emmènera là? Qui roulera à la pierre, tu as déjà pourvu. À la montagne, tu as déjà pourvu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Botra? Tes ailes se déploient jusqu'à Botra. Les choses ne seront plus comme avant. Tout ce qui était mort en toi, par déclaration de la parole de Dieu, est en train de trouver une résurrection. La gloire de Dieu est ici. Élevons-nous dans sa présence. La gloire de Dieu est ici. Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, il est en train de tendre ses ailes. Il est en train de toucher un homme. Il est en train de toucher une femme. Il dit, tu vas te déployer. Je t'ai donné des talents. Je t'ai donné des capacités. Je t'ai donné un mandat. Je t'ai donné une autorité. Je t'ai donné un bâton. Je t'ai donné l'onction. Je t'ai donné ces choses. C'est pour te déployer. Il est là. Il est là.
Esprit de Dieu. Humanas carabon for the lock in the breath of Jesus. Shiny lock in the breath of manas carabon. Rican a manas carabon. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le déploiement est possible. Le déploiement est possible. Chante avec moi. Chante avec moi. Pendant que tu chantes, tes ailes sont en train de se déployer. Pendant que tu chantes. Chalari la rida bo. Chalari la rida bo. Chalari la rida bo. You got a man of skill of love for the love of the world. Jesus get a man of skill of love for the love of the world. Woo, 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 woo. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Pendant que la chorale chante, commence à prier. Si tu peux battre des mains, commence à prier. Dis, je commence à déployer mes ailes. Prie, prie avec moi. Prie pour toi-même. Prie pour ton ministère. Prie pour ton église. Prie pour tes projets. Prie pour tes affaires. C'est une nouvelle saison. Un déploiement sans précédent. Jésus, 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 Jésus. Levons nos mains, nos yeux fermés. La gloire de Dieu arrive sur quelques personnes ici. Là où te trouves maintenant, l'Esprit de Dieu vient te saisir. Je sens une atmosphère du ciel. Toi qui es monté dans les hauteurs, il est en train de renouveler tes forces. Il est en train de te donner de nouvelles idées. Il est en train de déployer tes capacités. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas dit que nous ne serions pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose qu'en venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il te rend capable. Oh, jeune homme, jeune femme. Oui, homme, femme, voici l'Esprit sur toi. Oh, toi qui veux une grâce de Dieu, reçois, reçois. Toi qui es dans la foule, reçois. Reçois l'impétation divine. Reçois l'onction de Dieu. Que tout ce qui était mort ressuscite en vous. Tout ce qui était détruit ressuscite. Au nom puissant de Jésus. Des rêves, des visions, des grâces, des faveurs, des talents, des aptitudes, des onctions, des ministères, des appels, ressuscité au nom de Jésus. Les chairs sont en train de déchirer par leur bec toutes les choses que le diable avait placées dans leur vie. Les néchères ont été suscités
afin de détruire toute forme de malédiction, qu'elle soit personnelle, générationnelle ou familiale. Alors que nous sommes dans cette atmosphère, il y a des aigles qui sont en train de déchirer avec leurs paroles tout ce que le diable avait prononcé contre eux. Ah, au nom de Jésus, rien ne peut résister. Devant le nom de Yeshua, rien ne peut résister. Le nom de Yeshua est invoqué en ce lieu. Le nom de Yeshua est invoqué en ce lieu. Ah, il y a déploiement. Il y a déploiement. Il y a déploiement. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Ah, quelle onction. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. La makata yanderebo sada da 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 da. Le kata yamashaba. Makato bobo seka da da. Hey! Makata bobo 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 bobo. Le kata yanderebo. Ce que l'Esprit de Dieu a commencé, l'Esprit de Dieu va le terminer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu a un plan. Le plan a commencé à être mis en action hier. Et le plan continue ce soir. Dans le plan de Dieu, il y a un déploiement des ailes de l'aigle. Mais lorsque Dieu te permet de déployer tes ailes, c'est afin que tu puisses être emmené au large. Nous avons entendu un homme qui porte la puissance de la résurrection. Nous avons été bénis par l'excellence de révélation qu'il transporte. Mais je crois que lorsque les ailes de l'aigle sont déployées, c'est afin que cet aigle ne soit plus limité, mais qu'il arrive dans un espace beaucoup plus grand, que son déploiement se fasse dans une zone géographique où enfin il peut manifester toutes les grâces que Dieu avait mises en lui. Et si nous avons entendu un homme qui porte la puissance de la résurrection, nous nous apprêtons à entendre un homme qui porte la révélation du Réobot. Un homme qui porte la révélation du Dieu qui met au large. Du Dieu qui t'enlève des problématiques diverses et qui te transporte pour t'emmener dans un espace où tu peux pleinement te déployer. Ah, je ne sais pas si tu commences à saisir de qui je suis en train de parler. Je veux te dire que Dieu... plan. L'atmosphère est propice pour que nous joignions nos mains et nos cris de joie pour accueillir sur cette estrade le prophète Samuel Adé. Est-ce qu'une clameur peut monter en ce lieu?
C'est ton nom, Seigneur, que nous invoquons ce soir. Yeshua Mashiach, le Messie, le Sauveur, le Dieu vivant et puissant. C'est ton nom qui nous rassemble ce soir. Et c'est à cause de toi que nous sommes là, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu as commencé de faire, pour ce que tu es en train de faire et ce que tu feras encore. Nous croyons, Seigneur, ô Dieu, que les yeux de Dieu, les yeux du ciel, Seigneur, ô Dieu, sont fixés sur cette partie spéciale de la terre. Cette église, Seigneur, appelée Providence. Seigneur, nous ne sommes plus sur un espace terrestre, mais nous nous voyons comme au sommet de la montagne, là où il sera pourvu. Nous bénissons ton nom pour ta présence totale, effective et glorieuse. Et nous promettons de te donner toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Je sais qu'une destinée sera libérée. Une vie sera restaurée. Un malade sera guéri. Et ta parole nous fera du bien. Merci de prendre le contrôle de ces instants, Esprit de Dieu, et de nous faire du bien. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons célébrer celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le lit des vallées? Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je suis vraiment béni et privilégié d'être là. Alléluia! C'est une grâce que de prendre part à de tels rassemblements. Il y a une concentration de grâce. Amen. Et c'est pour cela que je voudrais bénir celui que j'appelle souvent le maréchal, qui dernièrement nous a béni gravement à Abidjan et qui est encore réclamé à Abidjan. C'est par son onction et sous son onction que nous sommes là. Et je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour l'évêque Géli. Alléluia. Le gars qui à lui seul rassemble toutes les onctions, la grâce de la beauté, de l'éloquence, du chant, du piano, bon, de tout en même temps. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et acclamez le Seigneur vraiment pour ma personne. Alléluia. Quelqu'un dit ça, c'est ma personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la prophétesse Charlie? Dieu te bénisse, maman. Alléluia. La personne, la seule capable de me faire prendre un vol rapide, comme un aigle, pour atterrir directement à Libreville. Elle dit, prophète, tu ne peux pas manquer le mariage là. Ah, j'ai tout annulé à Abidjan, je suis arrivé illico, très chaud. Alléluia, que Dieu te bénisse, maman. Et je suis très content d'être là avec vraiment mes frères, mes compagnons d'âme, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le prophète Otto? Le prophète de Dieu. Ah, le gars, s'il y a une onction forte, redoutable. Alléluia. Et hier, nous avons été bénis d'une grâce, une bénédiction phénoménale. Phénoménale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Serge? Phénoménal. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'aime. Alléluia. Et puis, acclamer le Seigneur pour pasteur Karine. Oh, cette femme. Et il y a là que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Je suis honoré. Rien qu'à parler avec elle, pouvait sentir la présence de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Et puis, la machine à prêcher. Le pasteur Papito. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu te bénisse, homme de Dieu. Waouh, quelle grâce. C'est compliqué de parler après de telles personnes. J'ai dit à l'évêque, comment tu me fais ça? Tu as laissé pasteur Serge, il a prêché seul hier. Et moi, tu me fais ça. Alléluia. Mais nous avons été gravement bénis. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour l'apôtre Douglas. Waouh, waouh, waouh. Pour la révélation, la dimension de l'aigle. Acclame le Seigneur. Pour son épouse aussi. Que Dieu te bénisse, maman. Vraiment, que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la présence de mon frère. Il est pasteur, docteur Franck. Alléluia. Bon, si vous le voyez, c'est comme si on était des jumeaux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ah, je suis venu avec deux de mes pasteurs aussi. Ah, ils sont là, oui. Pasteur Jaël, pasteur Aïssa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis quelques membres de Rehoboth aussi, Paris, Audrey, Beaumont, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que Jiré est là? Est-ce qu'on est à Jiré? Est-ce que Providence est là? Je suis béni, je suis à l'aise parce qu'ici, je suis sur moi. Oui, je suis l'oncle. Alléluia. Parce que si je suis l'oncle, je suis en même temps le professeur. Quelqu'un dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que tu es prêt pour la leçon du soir? Oui, monsieur. Ah, Dieu va nous faire du bien. Donc, on va essayer de monter rapidement à cause de toutes les manières, même si on prend du temps. J'irai, c'est une fois par un. Donc, on est là. Dis à ton voisin, on est là. On dit, on est là. Que Dieu vous bénisse. Avant de vous asseoir, je veux bénir le Seigneur encore pour l'évêque. Tout à l'heure, je disais, mais cet homme, il a la grâce quand même. C'est un habile chasseur, certainement. Amen. Parce que, comment, je crois qu'en venant, on a pu sentir la chair fraîche hein, de certains animaux du gibier. Pourquoi? Parce qu'il a pu rassembler des aigles. Ça, c'est un rassemblement des aigles. Or, la Bible déclare que c'est là où se trouvent les cadavres que se rassemblent les aigles. Donc, pour qu'il y ait un rassemblement d'aigles, il faut qu'il y ait des cadavres. Est-ce que je peux commencer à parler? Nous sommes dans une génération où tout le monde veut devenir des aigles, mais personne ne peut devenir un cadavre. Or, tu ne peux pas devenir un aigle si tu n'as accepté d'être cadavre d'abord. Je vous choque un peu. Est-ce que les cadavres du Seigneur sont là ce soir? Alléluia! Pour entrer dans la dimension de l'aigle, il faut accepter de mourir dans la chair. Il faut accepter de mourir à ta personne. Si tu meurs à toi-même, tu es qualifié pour devenir un aigle. Ah, quelqu'un peut lever la main droite et dire, je suis qualifié. Parce que je suis prêt à mourir. Acclame le Seigneur. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Providence. Vous chantez bien, vous êtes bien. Ah, vraiment. Ils sont en train de me provoquer déjà. Alors, l'apôtre Douglas a mis le feu déjà, donc on va naviguer dans le feu rapidement. Quelqu'un me dit amen. On peut naviguer, n'est-ce pas? Le thème de mon message est un peu bizarre. Je ne sais pas si ça te dit en français même. Mais Dieu n'est pas français. Dieu est Dieu. Donc, je crois que vous allez comprendre un peu. Donc, on est en train de parler de déploie tes ailes. Quelqu'un me dit amen. Et donc, le thème de mon message ce soir, c'est décoller pour décoller. Est-ce que ça a un sens? Décoller pour décoller. Décoller pour décoller. Bon, peut-être que pour mieux comprendre, on va prendre le premier décoller là au sens direct, là, sens propre. Décoller. Quelqu'un dit détacher. Détacher. Et le deuxième décoller, c'est s'envoler. Donc, reformulation, détacher pour s'envoler. Alors, ce soir, nous sommes sous une forte onction prophétique parce que quelqu'un doit être détaché pour s'envoler. Dieu, j'ai essayé de mettre un peu l'accent. Décoller. Tu dois être décollé pour décoller. Décoller. Pour. Est-ce qu'on est prêt? On va lire un texte dans Matthieu, chapitre 21. À partir du verset 1, c'est une très belle histoire que j'aime beaucoup. Histoire. Alors, on va rapidement à cause du temps. La Bible déclare donc que lorsqu'ils approchaient de Jérusalem,
et qu'il fut arrivé à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui dit quelque chose. Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il arriva dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Histoire. Vous voyez, ça c'est vraiment l'une des plus belles histoires de la Bible. Amen. Vous savez, avant de parler de cette histoire, et l'apôtre nous a vraiment parlé des aigles. Quelqu'un dit les aigles. Vous savez, j'ai découvert dans la Bible que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, trois animaux ont parlé. Trois animaux ont parlé. Le premier animal, c'est le serpent qui a parlé à la femme. Et il a détourné du chemin. Amen. Tu dis Amen, j'avance. Le deuxième, c'est l'âne, l'ânesse de Balaam, qui a parlé à Balaam pour le ramener dans le chemin. Donc le serpent a parlé pour détourner du chemin et l'ânesse a parlé pour ramener dans le chemin. Alléluia. Et le troisième animal, vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 8, verset 13. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a trouvé Apocalypse chapitre 8? Quelqu'un peut lire? Apocalypse chapitre 8, verset 13. La Bible dit quoi? Je regardais. Et j'entendis un ange. Je regardais. Et j'entendis Un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. Malheur aux habitants de la terre. Oh! Quelqu'un dit oh oh! Hey Yahweh. Donc un aigle peut parler. Alléluia! Le serpent a parlé. L'ânesse a parlé. Mais vers la fin, il y a un aigle qui a parlé. Les deux premiers ont parlé étant sur la terre. Et ils ont parlé à des individus. Le troisième, il a parlé dans les hauteurs. Et il a parlé à toute la terre. Hey! Bon, Dieu va nous aider. Ce soir donc, nous sommes un rassemblement d'aigles. Ah, je bénis le Seigneur parce qu'on a parlé de l'aigle. Parce que des aigles doivent parler. Le premier a parlé pour détourner du chemin. Le deuxième a parlé pour ramener dans le chemin. Le troisième a parlé pour juger ceux qui sont écartés du chemin. Quand les aigles parlent, c'est pour dresser et établir un jugement. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Donc ce soir, nous ne sommes plus sur la terre, nous sommes dans les hauteurs. Donc il y a des choses surnaturelles qui peuvent se passer. Parce que c'est la dimension des aigles. Histoire. Ils approchèrent de Jérusalem
Et il fut arrivé à Bethphagé. Quelqu'un dit avec moi Bethphagé. Vous savez, ici, il est tellement bien, c'est tellement classe, je ne sais pas comment j'ai bougé. Mais ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Le gars, il fait tout avec classe. Je ne sais pas. Que Dieu te bénisse encore. Dis avec moi Bethphagé. Dis Bethphagé. Est-ce que tu sais ce que signifie Bethphagé? Bethphagé signifie la maison des figues. Amen. Donc Jésus est en route pour Jérusalem et il arrive à Bethphagé. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et quand il arrive à Bethphagé, il s'arrête et il envoie deux de ses disciples aller au il dit allez au village qui est devant. Vous allez trouver un ânon et une ânesse. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Détachez-les et amenez-les moi. Et la Bible précise que afin que ce qui avait été annoncé par le prophète Michée s'accomplisse. Quelqu'un me dit amen. Oh, c'est prophétique que Jésus arrive à Bethphagé, qui est donc là, la maison des figues. Parce que Dieu a une histoire avec les figues. Quelqu'un me dit amen. Le premier Adam, quand il a péché, il a pris des feuilles de figues pour se couvrir. Alléluia. Donc lui, il s'est intéressé aux feuilles. Mais le second Adam, quand il arrive, il dit, je n'ai rien à faire avec les feuilles. Quand vous allez dans la suite, Jésus, il marchait et il a vu un figuier. Et la Bible déclare qu'il a perçu des feuilles. N'est-ce pas? Alors il s'est approché pour voir s'il avait des fruits. Et quand il arrive, il se rend compte que le figuier a des feuilles, mais il n'a pas de fruits. Alors Jésus va maudire le figuier. Bon, je me suis posé la question, Seigneur, tu aimes parler souvent. Parce que la Bible précise que ce n'était pas la saison. Mais comment tu peux demander à un figuier de porter du fruit alors que ce n'est pas la saison? Est-ce que je peux te parler? Quelqu'un dit, bouge-toi, parle-moi. Mais parce que ce figuier-là, il a un problème. Ce figuier a un problème. Il faut aller dans la compréhension du mystère du figuier. Quelqu'un dit le mystère du figuier? Le figuier, c'est un arbre spécial. En hiver, il perd ses feuilles. Et quand il n'a pas de feuilles, il n'a pas de fruits. Donc, si tu rencontres un figuier hors de la saison, mais qui a des feuilles, ça veut dire qu'il y a encore des fruits de l'arrière-saison qui sont restés. C'est pour cela que Jésus, apercevant les feuilles, il s'est dit qu'il y a aussi du fruit. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare, Jésus dit, si vous portez du fruit, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est alors que le Père sera glorifié. Ce qui glorifie Dieu, c'est le fruit, ce n'est pas les feuilles. Vous savez, on fait beaucoup de choses dans l'église, ce sont les feuilles. Les feuilles, c'est l'apparence. Les feuilles, c'est ce qu'on voit. Mais le fruit, il est différent des feuilles. Je disais quelque part que le fruit, ça mène du temps. Le fruit demande la maturité. Il y a beaucoup de vies chrétiennes de feuilles. Dieu demande le fruit. Est-ce que je peux parler? Donc ce figuier-là représente les chrétiens qui aiment se faire voir, mais qui ne font rien de bon dans l'église. Les gens qui aiment apparaître, même sur les réseaux sociaux, mais en réalité ne portent pas de fruits pour la gloire de Dieu. Ces gens-là, Jésus dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Parle à quelqu'un. Le premier Adam, il a sauté sur les feuilles, mais les feuilles ne durent pas. Amen. Le second Adam a cherché le fruit. Et je bénis Dieu pour Providence, parce que c'est une église de fruits. Pas une église de feuilles. Je parle à quelqu'un. Pas une église de feuilles. Histoire. Mais ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est l'histoire de l'ânon. Dis avec moi l'ânon détaché. Jésus dit, allez chercher l'ânon. Histoire. Vous savez, j'aime cette histoire parce que, vous savez, Jésus était sur le point de monter dans l'avion Air Providence et décoller avec les disciples. Mais vers la fin, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas décoller sans quelqu'un. Avant d'entrer dans Jérusalem, il nous faut entrer avec l'ânon. Vous savez, ce qui est bon dans la vie, c'est que, vous savez, quand tu dois voyager,
Si tu n'es pas enregistré, l'avion peut partir pour te laisser. N'est-ce pas? Mais lorsque tu as fait l'enregistrement, même si tu n'es pas là, on attend, on demande, on dit il est où? On est d'accord? La bénédiction dans cette affaire, c'est que l'anneau avait été enregistré dans l'Ancien Testament. Et la prophétie avait été annoncée que pour que Jésus rentre dans Jérusalem, il fallait qu'il monte sur un anneau. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sait que sa destinée est enregistrée dans le programme de Dieu? Même si les hommes ne te regardent pas, ne te considèrent pas, Dieu a enregistré ta destinée. Dis à ton voisin, je suis déjà enregistré. Alléluia. Alléluia. J'aime cette affaire. Histoire. Je vais aller rapidement. Donc, dans cette histoire, on va déchirer. On va déchirer. Les disciples ne comprenaient pas. Ils disent, mais Seigneur, le vol est prêt. L'avion est déjà préparé. On monte et on part. Mais Jésus dit, non, on ne peut pas embarquer. On ne peut pas décoller sans quelqu'un. Écoute, il y a des choses que Dieu ne peut faire qu'avec toi et par toi. Parfois, quand tu marches avec Dieu, tu as le sentiment que Dieu même, il attend que tu sois prêt pour faire certaines choses dans ta vie. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Alléluia. Oui, tu es important dans le plan de Dieu. Parfois, surtout nous les pasteurs, quand les fidèles nous fatiguent, on dit, hey, nul n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. S'il ne veuille pas. Mais en réalité, il est vrai que nul n'est indispensable, mais chacun est irremplaçable. Tu es irremplaçable dans le plan de Dieu. Tu n'es peut-être pas indispensable, mais tu es irremplaçable. Parce que si tu n'es pas là, personne ne peut faire ce que toi tu fais. Dis à ton voisin, je suis remplaçable. Est-ce que je peux te parler? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Alléluia. Donc Jésus dit, allez le chercher. Papa, cette histoire-là s'est passée devant moi. Histoire. C'est un homme en fait qui est allé au marché et qui a décidé d'acheter une ânesse. Amen. Il a acheté l'ânesse et il arrive chez lui, il a attaché l'ânesse. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'ânesse était grosse, pleine. Elle avait un bébé dans le sein, mais il ne savait pas. Donc, il part se coucher. Le lendemain, quand il se réveille, qu'il vient, il voit que l'ânesse a mis bas. Donc, il a payé pour un, il a eu deux. À cette conférence, ce que tu attendais viendra au double au nom de Jésus. Je parle en tant que prophète et je décrète que la grâce de la double portion est ton partage. Le Amen fort établit la grâce là. Ah, que Dieu te donne deux au nom de Jésus. Tu attendais un marché, tu auras deux au nom de Jésus. Tu étais sur le point d'acheter une voiture, tu auras deux au nom de Jésus. Ah, quelqu'un dit, je reçois la double portion au nom de Jésus. Cet homme a reçu la double portion. Amen. Et il dit, pour le prix d'un jeté, il était content et il a attaché aussi l'anneau. Amen. Histoire. Maintenant, Jésus arrive et la prophétie à localiser l'anneau. En réalité, la prophétie n'a rien à faire avec l'ânesse. Parce que la prophétie a dit que Jésus doit monter sur un anneau. Donc l'ânesse n'est pas dans l'histoire. Oh oh. Mais quand ils arrivent, à cause de l'anneau, on a détaché l'ânesse. Reformulation. Ça veut dire que l'anneau a été attaché à cause de l'ânesse. Mais l'ânesse a été détachée à cause de l'anneau. Papa, l'anneau a eu des problèmes à cause de l'ânesse. Mais l'ânesse a eu des solutions à cause de l'anneau. Je ne sais pas ton histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Oui, tu as été pauvre à cause de tes parents. Mais tes parents seront riches à cause de toi. Si tu me dis un amen violent, ça commence à agir dans ta vie. Ça commence à agir dans ta vie. Alléluia. Oui, je sais que tu as eu des liens à cause de tes parents. Mais tes parents seront déliés à cause de toi.
Tu as connu la pauvreté à cause de ton père, mais ton père connaîtra la richesse à cause de toi. Pendant que je prophétise là, il y a un renversement de situation qui se met dans la vie de quelqu'un. Je suis fatigué qu'on brise les liens matin, midi, soir. Je suis fatigué qu'on chasse les démons matin, midi, soir. Les liens de famille, oui, ça existe. Mais j'ai connu la pauvreté parce que mon père était pauvre. Mais mon père va connaître la richesse à cause de moi. Alléluia. Regarde, pendant un moment, tu as été stérile parce que ta mère était stérile peut-être pendant longtemps. Mais ta maman aura beaucoup de petits-enfants à cause de toi. Est-ce que tu parles? Est-ce que je parle? À cause de l'annon, la nièce a été libérée. Quelqu'un dit avec moi, libération contagieuse. Parce que tu dois savoir que dans la vie, il y a des malédictions contagieuses. Oui, quelqu'un est maudit et après à son contact, tu peux prendre la malédiction. Nos parents peut-être avaient des malédictions. On a hérité de cela. Donc il y a des malédictions contagieuses. Alléluia. Et de l'autre côté, il y a aussi des bénédictions contagieuses. Il y a un genre de grâce qui descend dans ta vie, ça contamine. La bénédiction de Joseph a contaminé toute sa famille. Je mets la bénédiction là sur toi si tu me dis Amen. Si tu me dis Amen, je mets ça sur toi. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il est en train de dire que ta grâce va contaminer ta famille. Donc il y a des bénédictions aussi contagieuses. Maintenant, entre la malédiction contagieuse et la bénédiction contagieuse se trouve la libération contagieuse. Quelqu'un dit oui, monsieur. Ça veut dire que ta libération provoque la libération des gens autour de toi. Ta libération provoque... c'est parce que Dieu a visité l'évêque Gélil qu'on est là. Sa libération a provoqué la libération. Écoute-moi, tu ne seras pas toi seul la personne qui sera bénie dans la famille. Toi et ta famille, vous serez bénis. Quelqu'un dit l'histoire de l'annon. Et ça, c'est mon histoire. Dis, c'est mon histoire. Ma famille sera bénie à cause de moi. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Est-ce que je peux te parler? Dieu avait un programme de détachement. Il fallait décoller l'annon pour qu'il puisse décoller. Alléluia. Vous savez, et la nièce est entrée dans le programme de l'annon. Il y a des gens qui vont rentrer dans le programme de Dieu pour ta vie. Quelqu'un dit Amen. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit une fois? Que même quand Dieu appelle Moïse, Aaron n'est pas dans le programme. Aaron n'est pas Moïse est en train de discuter avec l'Éternel. Et il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, c'est moi qui ai créé la bouche. Il dit, je sais, mais je ne sais pas parler. Dieu parle aussi, il parle. Alors Dieu dit, ok, d'accord. Donc on va intégrer quelqu'un dans le programme. Voici ton frère Aaron qui est là. Bon, lui, on va le prendre. Toi, tu seras Dieu pour Pharaon. Et ton frère sera ton prophète. Donc, Aaron est rentré dans le ministère à cause de Moïse. Mais j'ai envie d'aggraver. C'est le bégaiement de Moïse qui a introduit Aaron dans le ministère. Aaron est devenu pasteur parce que Moïse bégait. Écoute-moi bien. Ton handicap va introduire la grâce dans ta famille. Ton handicap va introduire des gens dans le plan de Dieu. Quelqu'un me donne un long amen et ça commence à s'activer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La nièce est rentrée dans le programme à cause de l'annon. Alléluia. Et la nièce dit à son petit, petit, à cause de toi, pour la première fois de ma vie, je reçois des acclamations. Pour la première fois, on reçoit des chants. Les gens mettent des habits devant et puis on passe. Et le petit dit, oui maman, j'ai eu des problèmes à cause de toi. Mais moi je t'apporte des solutions maman. Tu diras ça à tes parents demain. Et il faut voir l'annon rentrer à Jérusalem.
avec sa mère, avec Jésus sur lui. Quelqu'un me dit amen. Amen. Frère, il était important qu'il soit détaché du village pour décoller, pour entrer à Jérusalem. Dieu me dit, dis à quelqu'un ici, il faut qu'on te décolle de certaines entités, de certaines choses, parce que ta vie doit décoller. Are you ready? Are you ready? Papa, il y a deux manières de décoller une chose. Quelqu'un me dit amen. Pour décoller quelqu'un ou une chose de quelque part, il faut produire une force supérieure. Quelqu'un dit force supérieure. Et la force du Saint-Esprit est tout suffisante pour te décoller au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tout ce qui t'a collé va te décoller au nom de Jésus. Là où tu t'es collé au péché, tu seras décollé au nom de Jésus. Là où tu t'es collé à la pauvreté, tu seras décollé au nom de Jésus. Quelqu'un dit, il y a deux fois et c'est établi. On doit te décoller de la pauvreté. Parce que la pauvreté t'empêche de décoller. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est la pauvreté. Dieu punisse le diable et sa belle-mère la pauvreté. Quelqu'un me dit amen. La force de l'esprit, prophète Toto, est suffisant pour nous décoller. Mais il y a une autre voie. Alléluia. Apôtre, pour décoller, c'est un peu l'exemple de l'aimant. N'est-ce pas? L'aimant n'a pas besoin de produire beaucoup d'énergie. Il suffit de changer de pôle. Et puis il y a un détachement. Écoute-moi bien. Regarde, selon le pôle de ta destinée, il y a des choses qui viennent dans ta vie. Et il y a des choses qui quittent ta vie. On est d'accord? Donc parfois, par pôle, je vais parler de la figure que tu as. La figure spirituelle que tu as attire des dimensions. Et non ça, ta figure attire ta dimension. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit ma figure attire des dimensions. Regarde, quelqu'un qui a la figure. Quelqu'un qui a la figure du péché. Il attire la dimension de la mort. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui a la figure de la cupidité. Il attire la pauvreté. Quelqu'un qui a la figure de la mendicité. Il attire la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui a la figure de la jalousie, maman, il attire la sorcellerie. Parce que le sorcier, c'est d'abord le jaloux. C'est pas celui qui s'envole à minuit. Dès l'instant où tu jalouses quelqu'un, tu commences à devenir sorcier. Mais moi, j'ai un message pour toi. Ça veut dire que la jalousie est un aveu d'impuissance. Parce que quand tu es jaloux, tu es en train de dire que l'autre est supérieur à toi. Et c'est en même temps un signe d'ignorance. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans ta destinée. Les frères de Joseph étaient jaloux parce qu'ils ne savaient pas ce que Dieu leur réservait. Quand tu vois quelqu'un comme tonton Judas qui est jaloux de Joseph, c'est parce qu'il ne sait pas que Dieu lui a réservé la royauté. S'il savait ça, il n'allait même pas être jaloux du petit. Au soir de la vie de leur père, ils se rassemblent et puis leur père dit, le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Judas. Et tous disent, oh oh, quelqu'un dit, oh oh. On pensait que ce serait Joseph. Oh. Judas lui-même, il est étonné. Alléluia. Il dit, papa, on peut être béni comme ça? Il dit, c'est ce que je t'ai réservé. Alléluia. Ils ont compris que non, les songes de Joseph n'étaient pas la manifestation de sa supériorité sur eux. Mais c'était simplement l'expression du fait que sa destinée était qu'il devait garder la destinée de ses frères. Joseph était le gardien de ses frères. C'est pour ça que lorsque son père l'envoie, il dit, va voir comment te portent ses frères. Va voir comment se portent tes frères. Ils devaient veiller sur eux. C'était le gardien de leur destinée. Ils n'ont pas compris et ils l'ont vendu. Regardez bien l'histoire. Quand ils ont vendu Joseph, il a commencé à avoir des problèmes dans la famille. La Bible déclare qu'ils l'ont vendu au chapitre 37. Au chapitre 38, Judas s'éloigna de ses frères. Il a eu des problèmes jusqu'à le coucher avec sa belle-fille. Quand Joseph est parti, Ruben est allé coucher avec la copine de son père. Des catastrophes.
trouble dans la famille parce que Joseph n'est pas là. Écoute, fais attention, ne tue pas le gardien de ta destinée. Touche ton voisin, dis tu es le gardien de ma destinée. Tu ne peux pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est après ils ont compris que non, il n'était pas plus grand que nous, mais il devait nous garder, nous préserver. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? Hey, hey. Tu sais, c'est là quand Dieu fait grâce, c'est Dieu qui fait grâce. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas être jaloux. Il faut acclamer la grâce de ton voisin. Alléluia. Je vais foncer. Regarde. Donc, numéro un, l'anneau a été détaché. Écoute, pour décoller, il faut deux choses. Il faut d'abord que tu sois détaché. La deuxième chose, il faut que ton ciel soit ouvert. Parce que si le ciel est chargé, l'avion ne peut pas décoller. Ah! Regarde, écoute-moi bien. Pendant que tu vis sur la terre, tu dois comprendre que le ciel doit être ouvert sur ta vie. Et fais attention aux actes que tu poses, parce que tu peux te fermer le ciel sans savoir. Je parle à quelqu'un. Regardez ce que le fils prodigue dit. Le monsieur, il est venu, il a dit à son père, donne-moi ma part des... héritage. Il allait dépenser ça dans la débauche. Il a souffert. Et quand il revient vers son père, regardez sa prière. Toute l'histoire, est-ce qu'il a insulté Dieu? Est-ce qu'il a maudit Dieu? Mais dans sa repentance, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh oh. Donc, ce qu'il a fait a fermé son ciel. La raison pour laquelle il a souffert, c'est parce que son ciel était fermé. Donc, il a compris que le ciel était fermé sur sa tête. Il avait besoin d'aller voir son père pour que son père puisse ouvrir à nouveau le ciel sur lui. Je peux te parler un peu. Un jour, on amène un sourd-muet pour que Jésus puisse le guérir. N'est-ce pas? Et quand Jésus le prend, Jésus fait la salive, il met sur les oreilles, la bouche. Et bizarrement, Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit « Ephphatha ». En principe, il doit dire aux oreilles « Ephphatha » pour dire « Ouvre-toi » et à la bouche. Mais il ne regarde pas les oreilles, il regarde le ciel et il dit au ciel « Ephphatha ». Et quand il dit « Ephphatha », les oreilles s'ouvrent sur la terre. Des choses doivent s'ouvrir au ciel avant que tu les reçoives sur la terre. À cette conférence de Jireh, je vois le ciel ouvert sur ta tête. Je déclare que le ciel s'ouvre sur toi. Ah, écoute-moi bien. Par la grâce et l'autorité de Dieu, nous avons le pouvoir de pardonner les péchés. Si tu avais péché, que ton péché te soit pardonné et que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que j'ai compris, papa, que en réalité, ton ciel doit être chargé. Qui me dit Amen? Il y a des gens dont le ciel est vide. Et quand ton ciel est vide, tu n'as pas d'atmosphère. L'atmosphère est plus puissante que des âmes. L'atmosphère, c'est plus puissant que tes diplômes et tes connaissances. Regarde, quand David arrive devant Goliath, Goliath dit, mais toi, c'est quoi? Moi, j'ai la lance, le javelot. David, j'ai l'atmosphère. David avait l'atmosphère. Je parle à quelqu'un. Et beaucoup de chrétiens ont l'atmosphère vide. Vous savez que il y a trois catégories de péchés. Oh, oh. Quelqu'un dit oui monsieur. Oui, monsieur. Première catégorie de péché, les péchés contre la sainteté de Dieu. Ce que vous connaissez, impureté, adultère, impudicité. Ça, vous péchez contre la sainteté de Dieu. Ces péchés-là détruisent votre intimité avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne vous retire pas sa relation. On est d'accord? Deuxième catégorie, quelqu'un dit oui monsieur. Deuxième catégorie, ce sont les péchés contre l'autorité de Dieu. Mm-hmm. Rébellion, blasphème, manque de respect aux hommes de Dieu. Il y a des rebelles ici. Et Dieu ne discute pas avec la rébellion. Il mate la rébellion.
Les péchés contre l'autorité de Dieu, il n'y a pas de catégorisation de péché. Mais le jugement est plus direct que ceux contre la sainteté. Parce que Dieu frappe. Le péché de Lucifer était contre l'autorité de Dieu. Illico, chassé du ciel. C'est pour ça qu'il y a une notion dans nos églises pour mater les rebelles. Que les rebelles soient matés. Et que Dieu punisse le diable et ses petits-fils, les rebelles dans les églises. Est-ce que je peux prêcher? Quelqu'un dit oui, monsieur. La troisième catégorie, ça on ne parle pas de ça souvent. C'est le péché contre la plénitude de Dieu. Autrement dit, le péché du vide. Est-ce que vous savez que le vide est un péché? Si Dieu a horreur d'une chose, c'est le vide. Oui. La Bible, histoire. Je parle, c'est la Bible. J'ai vu dans la Bible un homme, papa. Il a été possédé à cause du vide. Jésus dit, lorsque un esprit impur sort d'un corps, il va dans les milieux arides cherchant du repos. Et n'en trouve pas, il revient. Et il trouve la maison comment? La maison est balayée. Ça veut dire que le gars, il a réglé le problème de la sainteté. Deux, la maison est ordonnée. Il a réglé le problème de l'autorité. Mais le problème, c'est que la maison est vide. Et la Bible parle que l'esprit va chercher sept esprits plus méchants. Et ils viennent s'installer. Pourquoi? Parce que la maison était vide. Qu'il n'y ait jamais de vide dans ta destinée. Jamais de vide dans ta maison. Je parle sous le contrôle du prophète Ototo. Même les prophètes ne supportent pas le vide. C'est pour ça, si tu vas voir un prophète et dis, papa, je n'ai rien, tu as court-circuité son onction. Si tu ne comprends pas, tu vas dire que le prophète aime l'argent, mais non, parce que le prophétique a horreur du vide. La Bible déclare que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a organisé une fête pour les noces de son fils. Et les invités ne sont pas venus. Il s'est énervé pour dire, je refuse que ma maison soit vide. Allez chercher les boiteux, estropiés. Je veux que ma maison soit remplie. Ce soir, la plénitude de Dieu est ton partage. Qui me dit amen? Tu dois être rempli de grâce au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Arrange-toi. Mais que ton frigo ne soit jamais vide. Même s'il doit rester une orange, c'est important pour Dieu. Que ton compte bancaire ne soit jamais vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme est venue voir le prophète Élisée. Elle dit, tu sais que mon mari, il est craignant Dieu. Il est mort avec les dettes. Que Dieu punisse le diable. Comment un fils de prophète peut mourir avec des dettes? Elle dit, le créancier est venu prendre les enfants pour en faire des esclaves. Quelle était la question du prophète? Il dit, qu'as-tu chez toi? Elle dit, un peu d'huile, c'est suffisant. That is enough. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le peu que tu as est suffisant pour le miracle de Dieu. Le peu que tu as est suffisant pour l'intervention divine. Quelqu'un me dit amen. Elle dit quoi? Il dit, oui, c'est suffisant. J'ai besoin du peu. J'ai besoin du... Frère, on dit Jésus, il a loué la veuve là, qui est venue avec ses deux dernières pièces. Si c'était toi, tu as dit que c'est une veuve, elle n'a qu'à partir comme ça. Elle n'est pas l'offrande. Jésus a pris l'offrande de la veuve là. Dernière offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, dans le prophétique là, il n'y a pas de sentiment dedans. Parce que si tu mets le sentiment, tu as tué la vie de quelqu'un. Vous savez que Élisée, il a mangé la nourriture de la femme. Élie, sans sentiment. La veuve est son enfant. L'enfant là, il a 7 ans. Papitou. Le dernier repas de Papitou. Le prophète est venu. Il dit, prépare, je mange. Elle dit, c'est le dernier. Il dit, prépare. Il s'est assis au salon. Il a mis la télévision. Et puis, il zappe les chaînes. Il demande, c'est pas encore prêt. Elle dit, non, c'est pas encore prêt. La nourriture est dans les narines de Papitou. Papitou regarde Élie. Il dit, mais le tonton est méchant. Mais le prophète ne fait rien, ça.
Quelqu'un dit, on fait rien, ça. Quand elle a préparé à déposer, elle dit, j'insiste, papa. C'est le dernier repas. Il dit, mets la nourriture là. Il a mangé en regardant Papitou. Papitou le regarde. Il dit, mais on peut être mauvais comme ça. Adama. Parce que j'ai compris que un homme de Dieu, celui qui marche dans l'esprit, il a deux cœurs. La Bible déclare que ceux qui craignent l'Éternel ont le cœur à droite. Biologiquement, ton cœur est à gauche. Mais spirituellement, tu as un autre cœur à droite. Et parfois, pour que le miracle intervienne, il faut que ce soit le cœur de droit qui parle. Et le cœur de droit n'a pas d'émotion. Il n'a pas de sentiment. C'est pourquoi vous trouvez le prophète bizarre, dur. Mais il fonctionne avec le cœur de droit. Tu peux dire à un prophète aujourd'hui, demain tu viens et puis il repère toi. Tu dis, mais ça c'est quel homme ça? Frère, il a navigué selon les cœurs là. Gauche, cœur droit, gauche, 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 gauche. Quelqu'un dit, je suis glace, gauche, droite, gauche, droite. Alléluia. Quand Élie a mangé, il a rôté. Il dit, maintenant, viens t'asseoir ici, madame. Et il a libéré le ainsi par l'Éternel. La farine ne manquera pas dans le pot. L'huile ne manquera pas dans la cruche. Ah, je déclare en tant que prophète, ainsi par l'Éternel, tu ne manqueras pas d'argent au nom de Jésus. L'argent ne finira pas dans ton compte bancaire. Je t'interdis d'être à découvert au nom de Jésus. La nourriture ne finira pas dans ta maison. Le plus long amène le premier à recevoir la prophétie là. C'est pour ça que papa, regarde, quand Jacob, il a prié toute la nuit à Dieu. On dit Jacob a combattu à Dieu, n'est-ce pas? C'est l'histoire. Hein? Il a combattu à Dieu, tout ça. Mais parce qu'il n'avait rien compris. Comme beaucoup de chrétiens ici, vous savez, on prie, les chrétiens prient pour obtenir. On ne prie pas pour obtenir, on prie pour devenir. Regarde, il a commencé la veille de prière à 20h, papa. Seigneur, donne-moi la bénédiction. Donne-moi. L'ange dit, lui, faut te battre. Il se bat jusqu'à vers le matin. Il dit, bon, petit, le problème n'était pas d'obtenir la bénédiction. Tu es déjà béni. Le point, c'est de devenir. Donc, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Et il a frappé sur le côté pour qu'il change de démarche. Et vous savez, j'ai étudié un peu. Quand une femme doit accoucher, vous savez que les os de la hanche se déboîtent pour laisser passer la grosse tête du petit là. Alléluia. Donc, quand l'ange a frappé la hanche, c'était la renaissance. C'était la renaissance afin que Israël sorte de Jacob. Israël devait sortir de Jacob. Vous savez, papa, pourquoi l'ange a voulu qu'il prie toute la nuit? C'est parce que l'atmosphère, le ciel de Jacob était vide. Il n'a jamais prié dans la maison de Laban. Donc, quand il a prié toute la nuit, il était en train de charger son ciel. Cette nuit, quelqu'un va charger. Quelqu'un dit téléchargement. Quelqu'un dit téléchargement. Quelqu'un dit téléchargement. Je charge ton ciel de gloire. Je charge ton ciel de puissance. Quelqu'un me dit amen et c'est fait. Est-ce que je peux avancer encore? Et donc quand c'est la renaissance, vous savez que quelqu'un renaît, sa démarche a changé. Attends, vous pensez que quoi? Sérieusement, Esaü venait pour le tuer. Hein? Ce n'était pas la blague. Hein? 400 hommes armés. Mais quand il arrive, au lieu de le tuer, il l'embrasse. Pourquoi? Parce que lui, il attendait Jacob. Et c'est Israël qui a... Ah. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je vais pousser rapidement. C'est pourquoi j'ai compris que, regarde, Dieu est un Dieu de grâce. Je parle à quelqu'un. Tu veux te parler un peu? On va te coller. Hein. On va... Dieu va déchirer là. Ah!
quand tu as la faveur, ça te dépasse. Dis, la grâce là me dépasse. Je peux te parler? Je peux te parler? Oui! J'ai étudié un peu le décollage d'un avion. J'ai été édifié. Quelqu'un dit, bouge, édifie-moi. Quand l'avion doit décoller, papa, papito, l'avion a trois vitesses. Quelqu'un dit trois vitesses. La première vitesse, on l'appelle vitesse V1. V1, c'est la vitesse de des manœuvres. Hein? L'avion recule un peu, il bouge un peu. On est d'accord? Assieds-toi sur la tête des ennemis. Dis avec moi V1. Donc je fais un coup magistral. Quelqu'un dit oui, monsieur. Alors, la vitesse V1, c'est la vitesse vraiment de tout ce qui est manœuvre de l'avion, où l'avion bouge, recule et puis commence à avancer. C'est en ce moment-là qu'on vous parle, on montre les signes de sécurité. C'est ça, non? Les hôtesses parlent, les stewards parlent, ils se promènent. Ils font un peu le malin, là, n'est-ce pas? Attachez vos ceintures et puis ils font le malin, puis ils parlent. Ça, c'est la vitesse V1. Alléluia. Tu sais, quand tu dois décoller comme un aigle, il a dit, il y a une vitesse qui doit te caractériser. Et dans ta destinée, tu as trois vitesses. La première vitesse, c'est la vitesse des manœuvres. C'est la vitesse où quelqu'un peut jouer toi. Quelqu'un peut. Pourquoi? Parce que dans le principe de l'aviation, lorsque l'avion est dans la vitesse V1, on peut l'arrêter. On peut signaler une panne, il y a un problème, intempérie, et puis on bloque. Comprenez? Ceux qui ont voyagé là, dites-moi amen. Alléluia. Quelqu'un de vitesse V1. Et puis la deuxième vitesse, c'est la vitesse VR. C'est la vitesse de rotation. C'est là l'avion tourne. Hey. Quelqu'un dit rotation. Mais ça, c'est un moment important. Parce que dans ta destinée aussi, il y a une vitesse de rotation. Quand tu es dans la dimension de la rotation, tu changes de direction. C'est en ce moment-là qu'il y a des gens qui quittent ta vie. Et puis d'autres entrent dans ta vie. Par un concours de circonstances, il y a certaines personnes que Dieu élimine. Comprends que c'est dans ta phase de rotation. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi il ne m'appelle plus. Tu es dans ta phase de rotation. C'est là où l'avion est comme ça. Vous savez quoi? Quelqu'un me dit amen, je parle. Vous savez que dans la Bible, là, Dieu a trois postures, non? Hein? Numéro 1, Dieu siège, il s'assoit. Il siège comme un roi, il a dit, n'est-ce pas? Et quand Dieu siège, c'est pour signer des décrets. Ce soir, il va y avoir des décrets. Des décrets pour ta destinée. Décrets de promotion, dis-moi amen. Décrets d'élévation. Décrets pour ton mariage. Décrets pour ta prospérité. Décrets sur décrets au nom de Jésus. Et quand nous louons le Seigneur, Dieu signe des décrets, numéro 1. Numéro 2, poursuite de Dieu, c'est que Dieu est debout. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient. Quand Dieu se lève, c'est pour juger tes ennemis. Cette nuit, Dieu va juger tes adversaires au nom de Jésus. Mais il y a une troisième posture qu'on néglige beaucoup, papa, que j'ai découvert dans la Bible. La troisième, c'est que Dieu se penche. David dit que l'Éternel s'est penché vers moi. Et quand Dieu se penche, c'est pour faire faveur à quelqu'un. Ce soir, Dieu se penche sur toi. Et c'est là que j'ai compris que quand Dieu se penche, c'est la vitesse de rotation. Prophétiquement, lève-toi et puis penche-toi un peu au nom de Jésus. Pendant que tu te penches, Dieu arrive vers toi. Ah, j'ai aimé cette définition d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Alléluia. Il dit, il est américain, il dit, favor means, alléluia. Les anglophones comprennent, non? God is leaning
in your direction. La faveur, c'est que Dieu se penche en ta direction. Wouhou! Et ça, tu vois, quelqu'un qui est cartésien ne comprend pas ça. Parce que parfois, tu dis que Dieu est comme ça. Dieu marche comme ça. C'est comme ça que ça doit se faire. Lui, il doit être béni. Lui, il peut être béni. Parce que c'est comme ça. Mais il oublie qu'à un moment donné, Dieu s'est penché. Et quand Dieu se penche sur toi, tes ennemis sont choqués par la qualité de ta faveur. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. C'est pour cela que Uzza est mort. Parce que Uzza n'a pas eu cette révélation. Il était en train de suivre l'âge. Parce que pour lui, l'âge doit aller dans une certaine direction droit. Mais à un moment donné, l'âge s'est penché. Parce que Dieu voulait faire faveur à Obed et Dom. Uzza n'a pas compris. Uzza dit, je vais redresser. Non, Dieu s'est penché pour quelqu'un. Écoute-moi bien. Si tu ne comprends pas cette dimension de Dieu, tu peux mourir spirituellement très tôt. Parce que Dieu s'est penché. J'ai envie de finir le message là comme ça. Je déclare que Dieu s'est penché sur toi. Dieu s'est penché sur ta famille. Dieu s'est penché sur Providence. Dieu s'est penché sur ta destinée. Quand Dieu se penche sur quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Parce que lui-même, il est dépassé. La grâce, là, la faveur a dépassé Joseph. Ses frères veulent le tuer. Ils ne savent pas qui il est. Lui-même, il est dépassé. Il parle à quelqu'un. Regarde, Saül veut faire du mal à David. Oh, le petit lui-même, il est dépassé par la royauté. Dis à ton voisin, la grâce va te dépasser. Il est... La faveur va mener les gens à dépasser. Et regardez, est-ce que je peux te parler? Pendant que j'avance là, l'avion en haut, on va atterrir. Vitesse de rotation. Dieu est en train de me faire faveur. Dieu s'est penché sur moi. Penche-toi un peu encore. Penche-toi vers ton voisin. Penche-toi. Dis, l'Éternel s'est penché sur ma vie. Et les gens ne peuvent pas comprendre, mais Dieu s'est penché. Regarde, quand Dieu se penche comme ça, ils ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un me dit amen. Ah, et David arrive. Saül est fâché. Mais David dit à Saül que papa, moi-même ça m'a dépassé. Parce que l'affaire là, moi j'ai quitté la maison avec des pains. Mais quand j'arrive sur le terrain, les pains là, c'est devenu les pierres. Le pain est devenu la pierre. Ça te rappelle quelque chose? C'est pour ça que Dieu punisse le diable. Le diable vient vers Jésus et il dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pains en pierres. Mais Jésus dit à Satan, nous les enfants de Dieu, nous ne transformons pas les pierres en pain, mais nous transformons des pains en pierres. Ah ah. Ah ah. Le pain, c'est le don de Dieu. La pierre, c'est l'âme que Dieu te donne. Le piège du diable, c'est que tu transformes ton âme en ton pain pour satisfaire ton ventre. Or, Dieu veut que tu utilises le don en pierre pour détruire l'ennemi. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Les enfants de Dieu changent le pain en pierre. Ils ne changent pas la pierre en... Ouh. Vitesse de rotation. Ce soir, que les personnes nuisibles à ta destinée quittent ta vie au nom de Jésus. Et que Dieu établisse des gens qui correspondent à ta destinée. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui me dit amen? Et après la vitesse VR, c'est la vitesse V2. Dis avec moi V2. La vitesse V2, c'est la vitesse pendant le décollage. Et quand j'apprenais, quand je lisais, j'ai été marqué, touché. Parce qu'il me disait que quand l'avion enclenche la vitesse V2, il ne peut plus s'arrêter. Même si on signale une panne, même s'il y a une tempête, il doit décoller. Quitte à tourner pour revenir. Mais la vitesse étant enclenchée,
l'avion ne peut plus s'arrêter. Oh oh, ça ressemble à ton histoire. Regarde, il y a un moment où les gens peuvent jouer avec toi. Il y a un moment où ils peuvent t'arrêter. Ils peuvent te manipuler. Et puis après, Dieu envoie un virage. La grâce, où ils sont surpris parce qu'ils ne te voyaient pas à ce niveau. Et au moment où ils vont se ressaisir, Dieu a déjà enclenché la vitesse 22. Ah, ça veut dire que personne ne peut plus t'arrêter. Le diable ne pourra pas t'arrêter. Les hommes ne pourront pas t'arrêter. Même l'assemblée de tous les sorciers du village ne pourront pas t'arrêter. Je déclare, je prophétise que la vitesse 22 est déclenchée dans la vie de quelqu'un qui me dit amen. On ne pourra pas t'arrêter. Tu es en train de décoller et de monter au nom de Jésus. Tu es en train de monter et décoller au nom de... Papa, après ce gilet, des gens vont prendre une accélération. Il y a une accélération divine. Il y a une accélération divine. Ça va bouger. Ça va. J'aime cet exercice prophétique. Est-ce que tu peux te lever un peu? Il va y avoir une accélération. La vitesse de l'aigle, papa l'a enseigné. J'aime l'accélération. L'accélération, c'est lorsque Dieu te donne de rattraper tes retards et de dépasser ceux qui t'avaient dépassé. Tu es prêt? Ça va s'accélérer au nom de Jésus. Ce que tu fais prophétique, ça va déclencher une ascension à partir de ce soir. Est-ce que tu peux bouger comme ça? 1, 2. Suis mon rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Commence à accélérer. C'est comme ça que la grâce va arriver. C'est comme ça que Dieu va te visiter. Tes ennemis seront surpris. Ils ne pourront plus t'arrêter. Parce que Dieu t'a donné de décoller. Laisse-moi finir dans 5 minutes. Hey! Avec deux belles histoires. Je peux te parler. Quelqu'un dit oui, monsieur. Ton histoire est l'histoire. J'aime l'histoire de l'aiglon dans le poulailler. Dis avec moi l'aiglon dans le poulailler. Par un concours de circonstances, une mère aigle a perdu son œuf dans la forêt. Et un homme, dans une randonnée comme ça, a trouvé l'œuf. Il a ramené l'œuf à la maison. Histoire. Histoire. Et puis il a mis l'œuf dans le poulailler. Avec la poule qui avait aussi des œufs. Et puis, à un moment donné, les œufs de la poule, n'est-ce pas? Tu vois la partie là? Tu vois la partie là? Et puis, les poussins sont sortis. Au même moment aussi, l'aiglon lui aussi, il est sorti. Tu vois un peu? Histoire. Alors, l'aiglon a commencé à être élevé, éduqué. Par la poule comme un poussin. Fénot a parlé hier de la mentalité. Donc il est aiglon, mais il a la mentalité du poussin. Les poussins font que, lui aussi fait que. Les poussins picorent comme ça les grains de riz. Lui aussi, il vit. Parce que pour lui, il est poussin. Amen. À un certain moment, ils avaient quand même un peu la même forme et tout ça. Ils ont commencé à grandir ensemble. À une autre saison, c'est bizarre, mais on remarque qu'ils ne ressemblent plus à ses frères poussins. Alléluia. Les poussins, ils ont atteint certaines dimensions. Ils sont devenus des coqs, des poules. C'est bloqué. Mais lui, il ne cesse de grossir et de grandir. Lui, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Écoute, parfois, tu as l'impression que des gens avec qui tu composes et que tu marches, pendant qu'eux, ils sont bloqués à un certain niveau, toi, tu es en train d'avancer. C'est un signe que vous n'êtes pas de la même espèce. Écoute-moi bien, hein? Vous n'êtes pas de la même, hein? Donc, il est en train de grossir, il grossit. Et puis, bon, les poussins s'amusent entre eux. Ils se donnent des coups de bec. N'est-ce pas? Quand lui veut jouer, quand il a donné un coup à un poussin, le gars, il se couche 2 jours. Mais il dit, quelle histoire? Si je dis quelle histoire, tu me dis franchement, quelle histoire? Quand il donne pour lui, là, le gars, il a couché 3 jours. La maman poule dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Il dit, c'est amusement. On est en train de jouer. Il dit, mais ça, ton amusement là, c'est comment? Alléluia. Et puis, parfois, les poussins,
Il s'amuse à mesurer un peu leur vécu, qui est le plus grand, les ailes, tout ça. Donc, il saute les ailes. Et puis, il est là. Quand il fait ça, le poulailler tremble. On dit, mais toi, tu as quoi? Lui-même, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Mais ce qui était un peu plus grave, maman Karine, c'est que il commençait à sentir un désir de manger ses frères. On est en train de parler des aigles ici, hein? Ah! Ah! Donc, la maman même a commencé à se poser des questions. Lui-même se pose des questions et ses frères se posent des questions. Plusieurs fois, il est puni. On le met dans le coin du poulailler là-bas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis avec moi un bonjour. Un bonjour. Il y a un aigle royal qui volait dans le ciel. Et l'aiglon qui était devenu aigle l'a regardé. Et il a commencé à sentir un mouvement. Et il sentait qu'il pouvait faire ça aussi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc ses ailes ont commencé à bouger. Quelqu'un dit déploie tes ailes. Ses ailes ont commencé à bouger. Il dit il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Et à un moment donné, l'aigle royal a poussé un cri. Vous voyez le cri des aigles là? Aïe, 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 c'est très fort. Quand il a crié, le cri a déchiré le ciel. Et ce cri a provoqué quelque chose dans le cœur de l'aiglon qui est devenu un aigle. Ça l'a bouleversé. Et après ce cri, il dit, je ne peux plus rester ici. Il a déployé ses ailes. Le poulailler s'est brisé. Écoute-moi bien. Ce soir, quelqu'un va déployer ses ailes. Et le poulailler dans lequel tu étais sera brisé. Écoute-moi bien. La maison là où tu habites ne te ressemble pas. C'est un poulailler, tu dois la quitter au nom de Jésus. Le travail où tu es, c'est un poulailler, tu dois quitter ce coin. Ça ne correspond pas à ta destinée. Écoute-moi, il y a des gens ici qui marchent avec des poussins. Mais dès ce soir, tu ne pourras plus marcher avec les poussins parce que ce n'est pas ton espèce. Quelqu'un me dit amen. Quand il a entendu le cri, il a déployé ses ailes, le poulailler s'est brisé. Il a commencé à courir. Ses frères le regardaient. Il dit, quoi? Comment on peut courir avec une telle vitesse? Il a couru. Et après, il a déployé ses ailes. Il s'est envolé. Il a commencé à planer dans les airs comme le grand aigle. Écoute-moi bien. Parfois, tu es avec des gens ou tu es dans des choses. Tu penses que c'est ta dimension. Ce n'est pas ta dimension. Écoute-moi bien. Le salaire que tu as n'est pas ton vrai salaire. Pourquoi tu ne me dis pas amen fort? Alléluia. Il a commencé à voler. Et il n'est plus jamais revenu dans le poulailler. Écoute-moi. Après ce giret, quelqu'un va changer de dimension. Des gens vont déménager ici au nom de Jésus-Christ. Et voici ses frères poussins qui se moquaient de lui, qui le méprisaient dans le poulailler. Ses frères maintenant, ils ont commencé à dire à leurs amis, voici mon frère. C'est mon frère qui vole là. C'est mon grand frère qui plane comme ça. Mon grand frère est un aigle. Écoute-moi bien. Ta famille sera fière de toi cette année. Tes amis vont être fiers de toi. Ta famille va être fière de t'avoir eu. Quelqu'un me dit amen. Histoire. Je sens une atmosphère prophétique. Et je sens que Dieu veut susciter des aigles. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Les aigles doivent s'élever. Qui me dit amen? Papa Douglas a parlé de ça tout à l'heure. Dis avec moi la puissance de la pesanteur. Histoire. Là maintenant je rentre à l'école. La dernière histoire. Un enfant était à l'école et son maître, ça c'est l'histoire d'un de mes fils que j'aime beaucoup, alléluia, qui m'a expliqué ça. Histoire. J'aime l'histoire là. Alléluia. Tu me dis amen, je t'explique et on prie. Ils étaient en classe et le professeur était en train de leur enseigner la force de la pesanteur. Et le professeur dit, lorsque on prend tout objet qui est lancé, finit toujours par? Tout objet qui est lancé, finit par? C'est une loi naturelle.
Et c'est la force de la pesanteur, la gravité. Donc l'enfant sort de l'école et il va à la maison. Et il dit à son père, papa, son père était un vieux très traditionnel, mais très dangereux. Dis-moi dangereux. Dangereux. Il y a des vieux comme ça qui ont des mystères. On en parlait hier, prophète Toto, il y a des mystères de la vie. Dis-moi des mystères de la vie. Il dit, papa, le maître, le professeur, quelqu'un dit, oui, monsieur. Le professeur nous a enseigné que lorsqu'on lance un objet, il finit toujours par retomber à terre. Son père lui dit, non, pas toujours. Oh, oh. Il dit, papa, il dit, oui, ce que le maître a dit n'est pas vrai. L'enfant discute avec son père et son père lui dit, allons trouver le maître. Allons voir le professeur. Et ils arrivent maintenant à l'école. Et le professeur sort. L'enfant dit, monsieur. Quelqu'un dit, oui, monsieur. Vous avez dit que lorsqu'on lance un objet, il finit toujours par retomber. Mon père dit que ce n'est pas vrai. Le professeur dit, monsieur, ça c'est une force naturelle. La force, il commence à grasseiller. La force de la gravité, vous comprenez? Je parle un peu comme à Paris, hein? Tu comprends ou pas? Alléluia. Le père dit, monsieur, ce n'est pas vrai. Et le maître prend l'objet et puis lance. Et l'objet tombe. Il regarde le père avec un sourire. Vous avez vu ça? Hein? T'as vu ça? Le père prend le même objet. Et puis il lance. Et l'objet cale en l'air. Le professeur est retourné en classe. Il dit, les enfants, ouvrez vos cahiers. Lorsqu'on lance un objet, il finit toujours par retomber. Mais nota bene, ça dépend du lanceur. Ça dépend du lanceur. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont été lancés et qui sont tombés. Il y a des gens qui ont commencé des ministères, ils sont tombés. Mais celui qui t'a lancé, il est fidèle et véritable. Celui qui t'a lancé s'appelle Jésus. Celui qui t'a lancé, il est le Dieu de Jireh. Il est Jéhovah Jireh. Ah, toi qui as été lancé, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je déclare que ton mariage ne tombera pas. Tes finances ne tomberont pas. Ton ministère ne tombera pas. Ton église ne tombera pas. Parce que celui qui nous a lancé. Dis à ton voisin, ça dépend du lanceur. Ça dépend du lanceur. Il y a des gens qui lancent et ça tombe. Il y en a qui lancent et ça cale. Écoute-moi bien. Providence, on est en haut. Et puis on ira toujours plus haut. Ton amen est suspect. Donne-moi un amen phénoménal. Donne-moi un amen légendaire. Donne-moi un amen de machine. Dis amen, 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 amen. Je veux entendre un amen de résurrection. Et maintenant, donne-moi un amen épiscopal. Tu ne tomberas pas. Lève la main vers le Seigneur. Marabrosakaya. Se marababrosaka. Tu ne tomberas pas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui avait l'impression qu'il va tomber. Tu ne tomberas pas. Nous sommes sous une forte onction prophétique, évêque. Je vois des gens que Dieu est en train de détacher afin qu'ils puissent décoller. L'Éternel est en train de te décoller pour que tu puisses décoller. Il y a des hommes et des femmes ici qui doivent décoller dans l'Esprit de Dieu. Tu as été attaché et bloqué. Tu as été arrêté quelque part. Mais l'Éternel est en train de te décoller. L'Éternel est en train de te détacher.
Ce qui est arrivé à l'anon est sur le point de t'arriver. Radabo sakayande la babradaskat. Remarama brado sota bababa. Lève les mains vers le Seigneur. Je sens une force de l'esprit parmi nous. Je sens une force de l'esprit parmi nous. Hey, marama bro sakabayade. Hey, marama bro sakabayade. Oh, mama, 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 mama. Karamamo saka. Yeah. Oh, Madaba, continue de prier, ça se passe. Et maman, 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 chakara ma brandé. Mais maman, de beau, saka yande. Oh, oh, karama, maman, maman, c'est. Tu es en train de déployer tes ailes. En train de déployer tes ailes, j'irai. Oh, Rema, ma, 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 vers le Seigneur. Oh my God. Pendant que tes mains sont levées, le Saint-Esprit est en train de te localiser par la grâce. Tu as été enregistré par la prophétie. Il y a ici des hommes et des femmes qui doivent décoller, me dit le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui t'a attaché, mais pendant que nous prions, la force de l'Esprit est en train de te détacher. Dieu est en train de te détacher. Je vois des déconnexions et des reconnexions. Je vois des déconnexions et des reconnexions. Je veux que des gens soient vigilants parce que la puissance de Dieu est en train de souffler. Et des gens sont en train de ressentir la gloire et la force de Dieu. Et un mouvement très fort de l'Esprit de Dieu. Il y a un mouvement très fort de l'Esprit de Dieu. Il y a un mouvement très fort de l'Esprit de Dieu. Jesus, c'est ma mamabo. Et ma mamabo. Oh my God. Garde la main levée vers le Seigneur. Oh my God. Regarde. Lève la main vers le Seigneur. Je vais aller vite. Dans cette atmosphère prophétique, je vois des destinées qui sont en train d'être relâchées. Je vois des hommes et des femmes de dimension qui étaient arrêtés par la peur. Arrêtés par la peur. Arrêtés par l'hésitation. Dieu me montre clairement la vie d'une femme ici. Regarde, la peur t'a paralysé. Tu as peur pour rien. Alors qu'il y a une grâce de Dieu. Alors qu'il y a un dépôt de Dieu. Je te vois en train de marcher dans une atmosphère prophétique. Mais tu as peur. Mais tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Et la peur est en train de te paralyser. L'Éternel parle par ma bouche. Et je déclare que cette peur te libère au nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a une forte onction qui arrive sur toi. Parce que tu dois décoller. Tu dois décoller. Tu dois décoller, tu dois décoller, tu dois décoller. Ah, et tu ne t'arrêteras pas au nom de Jésus. Je suis en train de voir. Ouh. Aide-la, 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 fais attention. Cette femme est en train de décoller. L'Éternel est en train d'enclencher la vitesse V2. La vitesse pendant laquelle personne ne pourra t'arrêter. Aide, aide la femme là, aide la femme là. My God, my God, my God. Aide-la. Oh my God. Oh my God, il y a une forte présence de Dieu ici. Il y a une forte présence de Dieu ici. Il y a une forte présence de Dieu ici. Il y a des aigles qui doivent décoller. On t'a attaché, mais Dieu est en train de te détacher. On t'a attaché, mais Dieu est en train de te détacher. On t'a attaché, mais Dieu est en train de te détacher. Je t'annonce une saison nouvelle. Je t'annonce une saison nouvelle. Hey! Yeah, 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 yeah. Il y a un miracle dans l'air. Il y a un miracle dans l'air. Ooh. Oh my God. Oh my God. Regarde. À droite là-bas, il y a une femme. Dieu a fait alliance avec ta bouche. Tu es la bouche de Dieu. Et quand tu parles, les oracles de Dieu sont dans ta bouche.
Mais tu as commencé à arrêter de parler. Et tu ne parles plus de la part de l'Éternel à cause de ce que les hommes ont dit. Mais ce soir, l'Éternel est en train de renouveler l'alliance avec ta bouche. Je vois un feu dans ta bouche. Je vois un feu dans ta bouche. Aide la femme qui est là-bas. Là. Il y a un feu dans ta bouche. Oh my God, oh my God, oh my God. Et personne n'arrêtera ce feu. Là, la puissance est tombée sur elle. La puissance est tombée sur elle. Oh my God. L'anneau ne restera pas attaché. L'anneau ne restera pas attaché. L'anneau ne restera pas attaché. L'anneau ne restera pas attaché, maman. L'anneau ne restera pas attaché. Dieu me dit que tu ne resteras plus à la même place. Tu ne seras plus à cette place-là. L'Éternel a préparé une place meilleure pour toi. Dieu a préparé une place meilleure pour toi. Et personne ne pourra t'empêcher d'y arriver. Reçois! Oh my God. Merci, Saint-Esprit. Regarde. Ta destinée est trop précieuse. Dieu est en train de guérir une femme. Tu as des problèmes sérieux de poumons. Tu as des problèmes de poumons. Problèmes de poumons sérieux. Le Saint-Esprit est venu te guérir. Sors, viens vite vers moi, maman. Je vois la main de l'Esprit guérir de manière miraculeuse tes poumons. Tes poumons sont malades. Tes poumons sont malades. Viens vite, maman. On n'a pas le temps. Oh my God. Il y a une onction de guérison ici. Il y a une onction de guérison. Oh my God. Il y a une onction de guérison. Viens vite, viens vite. En fait, oh my God. Il faut l'aider. Il faut l'aider. C'est un esprit qui est à la base de cela. Oh my God. Mais Dieu veut la détacher comme l'anneau. Parce qu'elle doit entrer dans Jérusalem. Dieu guérit une autre femme qui a un problème de peau. Regarde, ta peau, un gros problème. Je ne sais pas comment décrire ça. Dieu te guérit dans un miraculeuse parce que c'est une cause spirituelle. C'est fait. Ouh, aidez-la. Touche. Hey. Regarde, l'esprit au niveau de sa poitrine est en train de la libérer au nom de Jésus. Hey my God. Je vais finir rapidement à cause du temps. Merci Saint-Esprit. Tu es guéri, maman. Je vais prier rapidement pour quelqu'un qui a un problème au niveau du pied. Ça fait précisément environ 2 mois. Tu as un mal au niveau de ton pied. L'un de tes pieds. C'est un programme de paralysie. Je te vois en train de marcher dans une chaise roulante. Dieu veut t'aider. Viens vite, maman. Je vais finir à cause du temps. Tu ne marcheras pas en chaise roulante. Jamais au nom de Jésus. C'est une flèche qui a été lancée dans l'esprit. Où elle est? Où elle est? Vite, maman. Le temps est trop avancé. Dieu a choisi cette semaine spirituelle pour bénir quelqu'un. Ah, Shandana Mabruska. Karamabrosa Kayande. Il me faut prier pour toi rapidement parce que c'est un programme de paralysie. Et le Saint-Esprit me dit, si on ne prie pas pour toi maintenant, tu peux finir paralysé. C'est pour cela que j'insiste. L'Éternel, notre Dieu, parle qui ne prophétiserait. Je vois ton pied là. Je vois le pied droit, je précise. Tu as mal là. Oh my God. Shandarababu. Lève la main vers le Seigneur, je prie. Seigneur, nous sommes dans une atmosphère de grâce et de miracle. Shandarababu. Hein, maman? Tu en parlais à ton mari. J'avais fait un songe, mon pied avait été asséché. Et j'ai enlevé la partie de mon pied comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ça? My God. Et depuis, le processus de destruction a commencé. Et depuis un moment,
My God. L'Éternel est avec toi, maman. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Le miracle est parfait au nom de Jésus. Et la flèche qui t'a été lancée est extirpée au nom de Jésus. L'Éternel restaure tes pieds et te guérit au nom puissant. Regarde, je suis en train de voir la puissance de Dieu et je vois l'ange de Dieu qui est en train de toucher à tes pieds. Dieu est en train d'opérer un miracle parfait. Le miracle est parfait. Tu es une servante de Dieu. Tu es appelée à parler de la part du Seigneur. Je te vois en train de témoigner de la puissance de Dieu. Je te vois aller de lieu en lieu, déclarer la puissance de Dieu, l'Éternel qui fait des miracles. My God, my God, my God. My God. Merci, c'est fait. Lève la main vers le Seigneur, je prie pour terminer à cause du temps. Pardon, évêque, pour le temps. Alléluia. Je prie, regarde. Toute personne ici qui était sur le point de tomber, tu ne tomberas pas. Parce que celui qui t'a lancé est fidèle. Tu ne tomberas pas. Tes finances ne vont pas tomber. Ton mariage ne va pas tomber. Ton ministère ne va pas tomber. Je suis bouche d'oeil, je te parle. Tu ne tomberas pas. Lève les mains vers le Seigneur. Père, dans cette atmosphère prophétique et ce rassemblement d'aigles, relâche la portion de miracle ce soir. Oh God. Oh God. Oh God. Évêque, cette église est trop prophétique. Maman, pourquoi on t'appelle pasteur? Évêque, pardon. Prophétesse. L'homme de Dieu a parlé hier. Je vois l'onction couler sur toi et par toi en train de toucher. Il y a une armée de prophétesses dans cette église. Hey. Paris va sentir providence. Alléluia. Il faut qu'on puisse l'appeler de son nom prophétesse. Parce qu'il y a une grâce prophétique sur sa vie. Alléluia. Et je suis en train de voir que l'huile coule par elle. Et il y a une génération Élysée suscitée par toi dans la grâce et la dimension prophétique. Des gens ici vont parler de la part de l'Éternel. Et des gens ici auront des yeux pour voir. Hey. Je suis ici là parce que je sens une aile prophétique ici. Et je sens, aïe, j'ai vu l'aigle blanc se déployer ici et déployer ses ailes dans cette région. Et Dieu me dit qu'ici, il y a une génération forte, une génération Élysée de prophètes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens dont la vie sera étrange, ça va surprendre, mais qui vont impacter et qui vont impacter la France. Oh my God, pendant que je parle là, c'est comme l'aigle qui a crié dans le ciel. Et ma parole provoque quelque chose dans ton être. Je sens un impact puissant de la part de Dieu. Prophètes et prophétesses, soyez suscités par la puissance de Dieu. Et je vois marcher dans la puissance de Dieu. Pendant que je prie, c'est comme l'huile qui coule de prophétesse Shirley. L'huile est en train de couler à partir d'elle. Et l'huile est en train de se répandre. L'huile est en train de se répandre. L'huile est en train de se répandre. Il y a une génération prophétique. Oh my God. Cet homme est un prophète de Dieu. My God. Cet homme va impacter sa génération. J'ai vu l'esprit prophétique sur lui. Oh my God. Pendant que vous êtes là, recevez cette grâce-là. Il y a un impact puissant. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Dieu est en train de toucher les yeux d'une femme là. Elle est en train de toucher les yeux d'une femme. Dieu est en train d'ouvrir ses yeux. Dieu ouvre ses yeux. Dieu ouvre ses yeux. Dieu ouvre ses yeux. Dieu ouvre. Et il faut l'aider. C'est très fort. Là. C'est très fort sur elle. Dieu est en train d'ouvrir ses yeux. Elle va voir dans l'esprit. Elle va voir dans l'esprit. Elle va voir dans l'esprit. Ouh! Recevez l'esprit.
Recevez la grâce. Recevez l'autorité prophétique. Recevez la grâce. Il y a un manteau prophétique sur cette église. Il faut m'aider par ici. Cette femme est chargée de la gloire de Dieu. Aide-la, aide-la. Qu'elle ne se blesse pas. Cette église est sous un manteau prophétique. Aidez-moi par ici. Cette région est remplie de la puissance de Dieu. My God, my God, my God. Oh, 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 oh. Aide-le. Amen de Dieu est là. Merci Saint-Esprit. Je veux qu'on m'aide avec cette femme. Je veux qu'on m'aide, oui. Qu'elle vienne. Quelqu'un dit merci au Seigneur pour la grâce prophétique. Le prophétique, c'est la part de Dieu sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Maman, il y a un manteau prophétique sur toi. Oh my God. Je vois le Seigneur intervenir dans ton atmosphère, dans ton ciel, et te communiquer des visions et des songes. My God. À cause de la grâce prophétique. Aidez-la. Jesus. Hey! Dieu est en train de faire éruption dans des destinées. Dieu est en train d'atterrir dans la vie des gens. Oh my God. Là où il y a la grâce prophétique, il y a le miracle. Ce soir, tout ce que tu ne pouvais pas faire, tu l'accomplis au nom de Jésus-Christ. Oh, aide-la. My God. Il ne peut pas avoir une grâce prophétique et un esprit va manipuler une destinée. Ce n'est pas possible. Parce que là où Dieu est, le miracle est parfait. Des hommes de miracle. Des hommes de puissance. Des hommes de puissance. God. Et il va avoir une grande prospérité qui va souffler cette église. Le prophétique va... Oh my God. Aide-la. Shandarama Bruce. Oh my God. Oh my God. Yes. Merci Seigneur. Te bénissons. Allez avec cette onction. Demeurez dans cette onction. Marchez dans cette onction. Évoluez dans cette onction. Travaillez dans cette onction. Prophète Chel, est-ce que tu peux m'aider? Viens maman, s'il te plaît. Oh my God. Levant nos mains vers le Seigneur. Tu dois parler, maman. Tu dois parler. Dis une prière. Parle. Il y a une atmosphère. Ta voix d'entrée dans cette atmosphère. Il y a un peuple déterminé ce soir, un peuple qui déploie ses ailes. Alors qu'il se déploie maintenant, je vois le ciel qui s'ouvre. Je vois les limitations tomber parce que le ciel est ouvert maintenant. Oh, je dis que nous montons et nous gravissons cette montagne. Yes. Cette montagne et rien ne peut nous toucher. J'invoque le Dieu qui se penche. Son nom c'est Jiré. Il s'est penché en faveur d'Abraham pour préserver son destin. My God, l'Éternel te trouve maintenant. Il te trouve. Il se penche sur toi. Cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de sa souveraineté. Il est en train de se pencher. Je vois des prophètes et des prophétesses être déclenchés maintenant. Providence, tu es un peuple prophétique et solide. Manifeste ton puissance. Manifeste l'apostolat. Manifeste ton prophétique. My God, il y a des prophètes qui sont suscités, des prophétesses qui sont réveillées. Agirez, agirez, Dieu dévoile les destins. Agirez, Dieu dévoile les destins. Ça se passe maintenant. Ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant. Il y a un nouveau pouvoir qui tombe. Il y a une nouvelle dimension qui est relâchée. Quelque chose de différent est en train de se produire. Tu ne te limiteras plus par tes propres forces, mais l'Éternel te charge, il te somme d'aller de l'avant. Il déblaye le chemin parce que tu es un
aucun aigle, aucun arbre mystique ne pourra t'empêcher de voler. Je vois un renfort angélique ce soir. Je vois les anges qui marchent au milieu de nous et qui touchent. My God, my God, my God. Cela se passe maintenant. Cela arrive maintenant. Hey. My living God. Les anges sont en train de bouger. S'il vous plaît, soyez attentifs. Qui sont touchés par le souffle, le mouvement de l'ange. Soyez attentifs. Les voilà. Les voilà. Hey. My living God. Hey. C'est en train d'arriver. C'est en train de se produire. Ce soir est ton soir. Le soir où tu réalises que tu n'es pas quelqu'un de simple. Tu marches avec les anges. Le soir de Jireh. My God. Réma Satan. Hey. Il y a un mouvement angélique. Ça ne va pas s'arrêter. My God. Vraiment, hey, hey. En ce moment, je sens un pouvoir. Le pouvoir de la guerre. Je vois que Dieu est en train de réveiller des guerrières et des guerriers. Une autre dimension mystique et prophétique. My God. Vraiment, hey. Le Dieu de la Bible est aussi le Dieu du mystique et il te transporte sur cette montagne redoutable. C'est pour toi, c'est pour toi. Maintenant, maintenant. My God. Yeah, yeah. Lève tes mains prophétiquement. Ça commence. Ça te touche. Je vois ton ange. Il touche le bout de tes doigts pour te faire monter à un autre niveau. Yes. Je le vois. Yes. Il touche le bout de tes doigts. Il te fait décoller. My God. Il te décolle de là où on t'avait scotché. Et il te fait décoller là où l'Éternel t'attend. Ça se produit. Ça se passe. Prends ma bouche. My God. Non, tu n'es pas quelqu'un de normal. My living God, j'ai vraiment dit, laisse-te, bouge avec le mouvement des anges. Bouge, my God, fais-le, Seigneur, fais-le, my God. Hey, Lord, j'ai vraiment ça. Hey, cela se produit maintenant. Yes! Maintenant. Oh, yeah. Shema. Quelqu'un croyait ici qu'il était chantre. Vraiment, c'était les beaux sotos. Mais Dieu dit que tu n'es pas chantre. Les calabrasata. Il dit que tu es un instrument pour ouvrir aussi bien le ciel que la terre. Machadabrasata. Quand tu ouvres ta bouche et que tu fais monter des louanges, le ciel s'ouvre pour que le pouvoir de Dieu tombe. Mais la terre aussi s'ouvre pour aspirer tous ceux qui t'empêchaient d'avancer. Manderebo Soto, reçois cette dimension. Reçois. Je croyais qu'il y avait un adorateur. Bressata, Shema, Mala Bressata, Nekesete, reçois-le. Ça commence, ça se produit, ça arrive maintenant. Non, tu n'es pas un chanteur, tu n'es pas une chanteuse. Non. Tu es quelqu'un qui bouscule l'atmosphère pour que Dieu montre son visage au peuple qui l'attend. My living God, Bremasete, cela se produit maintenant. Voici cette dimension. Cette dimension est en train d'arriver dans ton existence. Cette dimension est en train d'arriver dans ton existence maintenant. Seigneur.
Aujourd'hui, tu nous as lancés. Et nous croyons que demain, tu vas nous propulser avec une autre impulsion. Dispose nos cœurs. Dispose aussi nos corps. Que rien ne nous limite. Que rien ne nous empêche de monter dans cette dimension autre que celle que nous avons connue jusqu'ici. Dans le nom puissant de Jésus, sécurise nos vies, protège-nous, garde-nous et donne-nous d'arriver avec une soif extraordinaire. In Jesus' mighty name. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de la providence? Est-ce que nous pouvons ensemble honorer Dieu pour les dons qu'il a fait à son Église? Je pense à l'apôtre Douglas. Je pense au prophète Samuel Adé. Je pense à la prophétesse Shirley. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui dire merci? Oh, acclame au niveau de la bénédiction que tu as reçue, si cela t'est possible. Pousse un cri de joie pour essayer d'atteindre le niveau de grâce qui est déversé dans cette maison. Les mots sont difficiles à trouver dans des atmosphères similaires à celle-là. Et la vérité, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à ajouter. Dieu nous a parlé. Si ça ne tenait qu'à nous, nous resterions ici pour une veillée improvisée. Mais demain est un autre jour. Et pour l'heure, nous devons penser à nous séparer. Mais avant que nous le fassions, permettez-moi simplement de saluer la présence de quelques hommes de Dieu qui ont fait le déplacement pour être avec nous. Il y en a un particulièrement qui est venu de Tours. Et je voudrais qu'on l'honore, c'est le prophète Jérémie Nkoukou. Les membres de son équipe qui l'accompagnent peuvent se tenir debout également. Il y a également le prophète Nikèze. S'il peut se tenir debout, on veut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. J'ai cru voir quelque part ici le pasteur Serge Agbeti. Et s'il y a parmi nous d'autres serviteurs de Dieu qui n'ont pas été présentés, prophète, je sais que tu as présenté ton frère, mais laisse-moi le représenter encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le docteur Franck qui est avec nous? Et s'il y a d'autres serviteurs de Dieu dont je n'ai pas évoqué le nom, veuillez m'en excuser, mais nous sommes honorés de votre présence. Et si vous êtes quelque part dans cette salle, tenez-vous simplement debout pour que nous honorions le Seigneur pour votre vie, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore été identifié. Mais quoi qu'il en soit, nous voulons vous remercier, tous autant que vous êtes, pour le cachet que vous apportez à cet événement par votre présence. Elle nous est précieuse et nous sommes heureux de vivre ces temps de déploiement avec vous. Je voudrais, peuple de Dieu, que nous nous tenions sur nos deux pieds. Alors que nous allons clôturer ce moment, il y a une dernière chose que je veux vous dire. C'est que des temps comme ceux-ci, nous aimerions les vivre tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Et l'une des contraintes auxquelles nous faisons face lorsque nous voulons organiser ce type d'événement, c'est la libéralité des chrétiens. Parce que vous devez savoir que concentrer de telles onctions au même endroit ne se fait pas gratuitement. Je ne vais pas faire d'appel à l'offrande maintenant, mais je voudrais que chacun de nous réfléchisse et prenne ses responsabilités. Si tu es béni par les temps dans lesquels nous nous trouvons, cela doit se sentir dans l'offrande que tu apportes. Demain, quand vous entrerez en ce lieu sur votre chaise, vous trouverez une enveloppe marquée « offrande spéciale ». C'est une offrande qui sera prélevée à la fin de la conférence, c'est-à-dire le dimanche. Cette offrande cumulera tout ce que nous aurons donné à Dieu pour ses serviteurs.
Et je vous invite, lorsque vous allez rentrer chez vous, à réfléchir à la qualité des grâces et des onctions auxquelles vous êtes exposés pendant cette conférence. Et à consulter le niveau de la bénédiction pour déterminer le niveau du don. C'est les seuls mots que je voulais vous dire à ce sujet. Je vous prie de bien vouloir lever vos mains. Et Seigneur Jésus, nous sommes hautement privilégiés et favorisés d'être dans des temps comme ceci. Ce sont des temps que tu avais prévus d'avance, non pas uniquement pour l'Église Providence, mais nous comprenons la portée dans la francophonie des choses que tu dis ici et des choses que tu fais en ce lieu. Tu as mis en notre cœur de créer une esplanade pour la manifestation de ta grâce, pour la communication de nouvelles grâces. Et c'est cela que nous expérimentons. Alors que nous allons nous séparer ce soir, ce que je demande, c'est que le diable ne vole rien de ce que tu as libéré dans ton ciel pour chacun de nous. Mais que l'intégralité de ta bénédiction arrive jusqu'à nous et se matérialise dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tu as mis l'homme dans le jardin d'Éden premièrement afin qu'il le garde. Et l'homme a échoué à garder le jardin. Qu'il n'y ait pas ici d'hommes et de femmes qui prennent exemple sur le premier Adam. Mais qu'il y ait des gardiens qui gardent ce que tu nous as donné. En termes de révélation, en termes de dons que tu nous as communiqués, je déclare et je décrète que nous ne perdrons rien de ce que tu nous as donné. Et que les fruits sont sur le point de se manifester, de se voir à l'œil nu. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une dernière chose, nous finissons plus tard que prévu. Et il y a des personnes qui vont peut-être avoir des difficultés de transport en commun. Pratiquons la générosité aussi avec le covoiturage. Discutons entre nous à la fin de ces moments pour savoir si nous pouvons avancer un frère, une sœur pour qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté à la fin de ces temps. Est-ce que je peux compter sur nous tous? Demain, nous commençons à 19h30. Alléluia. Et donc, soyons là à 19h30 pour que nous puissions commencer dans les temps. Que Dieu nous bénisse.